tout de suite. Les baisers sont ceux qui ont regardé le live des Sardoches, ouais, eux c'est des grands malades. Sondage entre le 1 et le 3. Bon, après, on va pas refaire 36 sondages, tu vois ce que je veux dire. Ta-ta-ta, oups. Allez, c'est parti. Hop. Là, regardez, on est en place. On a toute l'équipe qui est ici. On a de l'argent. On va aller enfin se finir. Tu vois, on va dépenser tout l'argent qui nous reste. En guérison et compagnie. Franchement, gros, on va prendre 8 guérisons supplémentaires. On va prendre des rappels supplémentaires. Donc là, on a des rappels, des total soins, des guérisons. On a tout ce qu'il nous faut. Et là, on va démarrer. Ça va juste être parti. Juste avant, on va laisser le son original de Pokémon pour ça. C'est parti pour la suite. Let's go. Et ici, on n'accélérera plus, tu vois. On va vivre les combats. Ah oui, les attaques de Bibi. C'est vrai qu'il faut que je voie les attaques de Bibi. Y a pas un endroit où je peux aller choper séisme pour Bibi, les gars? Je me pose des questions parce que Bibi il a des attaques claquées en fait, c'est ça le problème. Parce que regardez, ouais, les attaques de Bibi, elles me posent problème. Griffe acier, queue de fer, ça va. Force, c'est ok. Mais il n'y a pas de grosses attaques vénères, tu vois ce que je veux dire? J'ai appris Stridoson parce que ça baisse énormément la défense spéciale et vu qu'il peut tanker, tu vois, je me dis, je mets un petit Stridoson et après, tu vois, Olas peut venir finir avec Psycho. Mais j'aimerais bien avoir un petit séisme, tu vois, et casser la gueule des gars. C'est vrai, j'avoue que j'ai rien. Séisme, grotte, magma, ok, ouais, c'est plus tard alors. Mais ouais, j'avoue, il est un peu claquos, tu vois, dans ses attaques. Caverne, fond de mer pour cet séisme, merde. Et Kaiker. J'ai des Akaikers, je vais regarder. Oh, attends, les Akaikers, j'ai pas fait l'erreur de les vendre. Akaikers, j'en ai trois. Je peux faire quoi? Je peux faire quoi avec les Akaikers? Faut changer le titre. J'ai changé, frérot, fais F5. Fais F5. Ils vendent des CT. Ouais, je sais qu'ils vendent des CT dans l'autre ville, là, mais je sais pas si... Tu peux lui apprendre lance-flamme. Ah, lance-flamme, tu vois, ça pourrait être pas mal, tu vois. Genre lance-flamme avant qu'on démarre la ligue, ça pourrait être pas mal, tu vois. Je sais pas si lance-flamme se vend là-bas. Go prendre Rayquaza. Non, 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 on a dit qu'on faisait la ligue sans Rayquaza. Lance-flamme, c'est nul. Ah, mais lance-flamme, c'est pas nul. Lance-flamme à la place de griffe acier, ça peut être pas mal d'avoir une petite attaque lance-flamme, non? Il a pas d'attaque spé. Ah ouais, c'est naze sur lui. Attends, on va regarder ce que je pourrais peut-être vendre. Lance-flamme X Fatal Foot. Je suis pas sûr qu'il puisse apprendre Fatal Foot par contre. Mais lance-flamme, ça pourrait être déjà une première attaque correcte, tu vois. Je n'irai pas. J'ai cherché Rayquaza après, les gars. Vraiment. Hop, en quoi puis-je vous aider? Acheter. Ignore les dégâts, mais peut être réutilisé. Force mystique. Créer un mur lumineux. Créer un mur lumineux, ok, ça pue sa mère. Gaiking est physique et le type feu est spécial. Ah ouais, c'est pas bon pour lui. Puissante attaque enflammée, ouais, y a rien ici pour lui. Fatal Foudre. Ouais, après, c'est vrai que si Fatal Foudre chez lui c'est claqué, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Vas-y, fuck it. Le maître des capacités, il est où le maître des capacités? Va Eternara au maître des capacités. Le maître des capacités, il est à Eternara? Parce que du coup, j'ai des Ekaikers, je peux lui donner, hein. Kaimors, il y a déjà Laser Glace, on allait le chercher hier. D'ailleurs, des gens se rappellent hier de. Il a OTK, il a OTK, vas-y. Les gens se rappellent hier de la poubelle! De la poubelle, hein! Hein, on s'en rappelle! On s'en rappelle, bande d'enfoirés! C'est où OTK? OTK. Where is the Mister of the Capacity? La fameuse CT, la fameuse poubelle! Bande d'enfoirés! Maison du maître des capacités, let's go! Wesh, cousin! Je connais absolument toutes les attaques que les Pokémon peuvent apprendre et je peux enseigner ces attaques à d'autres Pokémon. Je peux enseigner une attaque à un de tes Pokémon, si tu veux, je peux le faire en échange d'une Ekaiker, je les collectionne. Ah! Tu veux que j'enseigne une attaque à une de tes Pokémon, à un de tes Pokémon? Oui, à quel Pokémon dois-je l'enseigner? Allez! Bibi! Quelle attaque dois-je enseigner? Charge, armure, coup de boule, mais... Oh, c'est lourd ça! Mais c'est que des attaques de merde! Charge, armure, coup de boule, mur de fer, hurlement, bélier, abri! Mais ça pue la merde! Que de la merde! Pardon! Ah, je peux changer à gauche.
Après, je peux faire gauche-droite là. En faisant gauche-droite, ça change rien. C'est naze! Hein, je peux changer le type, c'est tout, mais ça reste la même attaque. Ouah, c'est claquer sa mère, les gars! À gauche, c'est pour les concours. Ah, ok. Ouah, Bibi, le seum. Bon, attends, vas-y, on va voir s'il peut apprendre peut-être à Libégon un truc intéressant. Parce que j'avoue, Libégon, il a pas des attaques de ouf non plus. Feinte, morsure, tourbissable, grincement. Mais c'est le maître du scam! Yas, peut-être, vas-y, on va voir. Il va me dire Volvicharge, je vais être écrase-face, gros yeux, Volvicha. Taillade, ouais, à la rigueur, mais bon. Poursuite, grincement, hâte, souplesse. Ah, là, il y a déjà un peu plus de trucs. Ça reste de la merde. Putain, non, mais franchement, c'est le maître du scam! Le maître du scam! Monsieur, il n'y a rien d'intéressant dans tout ça! Ouais, pistolet à eau, poudreuse, ouais. Balle glace, ouais. Ouais, bon, il n'y a que de la merde. Fuck it. Bon, désolé, le maître du scam! Allez, c'est bon, on va aller se taper, tant pis. Tant pis pour les attaques du frérot, hein. On va faire avec. Mais que de la merde, hein. Ouais, je suis choqué. Chope un Dratak pour avoir lance-flamme. C'est bon, non, non, non. Moi, ouais, les Dratak, on ira plus tard. C'est parti. C'est le début de la ligue, les amis! C'est le début de la ligue. C'est quoi ces Pokémon à lui? Je commence avec qui en premier, vous pensez? Je sais pas, c'est des Pokémon quoi, lui? Vaudrait mieux mettre qui en premier? C'est du ténèbre, lui? C'est du ténèbre ou type normal, lui? C'est type combat? Si c'est type combat, j'ai... Ah, c'est ténèbre. Ouais, ténèbre, ça... Ténèbre, ça claque, hein. Un petit bibi. Prends un gars qui a des attaques combat. J'ai pas vraiment des gars qui ont des attaques... J'ai personne qui a des attaques combat, comme ça, au moins, on parle concrètement. Triche pas. Non, je demande. Je fais une sauvegarde avant de commencer. Déjà, on va sauvegarder, on va se mettre un peu de son. Et vous avez raison. Attends, je vais rajouter un peu de volume de jeu. Parce que là, c'était assez bas. Je rajoute un peu de volume de jeu. Mais ouais, j'ai pas d'attaque insecte, hein, comme ça au moins vous le savez. Bon, tu sais quoi? Moi, je suis là, je fais des choix. Petite sauvegarde. Hop, hop. On va mettre Bibi en premier. On va mettre Bibi pour se taper, tu vois, vénère comme ça. Et pour tanker des ténèbres. Allez, attends, par contre, je squeeze un peu les... Allez, let's go! C'est le début! Prends Bibi, casse-brique, c'est fort. J'ai pas casse-brique sur Bibi. 5 Pokémon, attention! Let's go! C'est parti, les amis! Que de faire? Ah, il va niquer ma précision. Bibi, il rate toujours ses attaques en plus, ce chien. Casse-brique, ça s'achète. Ah ouais, ça s'achète? Ah, je savais pas. Casse-brique, ça pourrait s'acheter, ouais. Graillena va faire mâchouille, mais ça me fait rien, poteau! Graillena, il tank! Il tank, Bibi, pardon! Bibi, il tank et il rate ses attaques aussi! Bibi de merde! Moi qui l'aimais, moi qui l'aimais. Augmente le son. Non, c'est bon, je vais pas augmenter les sons. C'est bien, là. Allez, tu le finis! Il l'a pas fini et l'autre il va envoyer sa putain de guérison là. Ah, il l'est retiré carrément! Pardon? Aïe aïe aïe, par contre, à Omar là, ça va pas du tout. Il va m'envoyer une grande attaque. Oh, je vais parler tchécoslovaque là. Ah ouais, tu veux changer? Tu veux changer, cousin? Tu veux changer? On va changer. Allez, Foncias. À la niche, le Graillena de merde. Moi, je t'envoie un gros Yas. Ah, surf! Je suis trop intelligent, je vais lui envoyer quelqu'un de l'eau pour pas que... Giga s'ensuit, allez. Ça dégage, le homard! Ça dégage, le homard! Ça dégage, le homard! Ah, il y a encore le multi-exp, je vais dégager le multi-exp. Absol, Absol. Absol, je pense qu'on va renvoyer. Je pense qu'on va renvoyer Bibi. Hein. On va renvoyer Bibi au charbon. On va remettre Bibi. Hein. C'est grave bon, le homard. Je n'en doute pas.
Je n'en doute pas, faut demander aux membres de notre gouvernement. Dans Slam, c'est quoi ça? Ah, c'est l'attaque. Allez. Let's go, Bibi! Let's go, Bibi! Encore plus fort la musique. Attends, vous faites chier! Attends, j'augmente la musique encore. Je l'augmente un petit peu. Hein. Voilà, c'est bon. J'irai pas plus fort. Allez, let's go! Let's go, Bibi! Que de faire! C'est super bien qu'il ait eu sa baie parce que du coup, il va pas utiliser de guérison pendant que lui il me met des éboulements, des conneries comme ça. Bibi, c'est Bifresh, ouais, parce qu'au début c'était un tout petit galet kid. Et ensuite, il a évolué en grand Pokémon. Allez! Ça rentre chez soi! À la racaille, la maison Absol! Ça dégage! Grayena, ça renvoie à Grayena! On continue avec Bibi! On continue avec Bibi! Bibi, il a peut-être pas des attaques fortes! Mais il est là! Là, je vais utiliser que de faire encore parce que je suppose qu'il va envoyer enfin une guérison. Voilà! À la racaille, la maison! À la maison, la racaille! Pardon, je me suis mépris, c'est l'enjeu qui me. C'est l'enjeu qui me fait réagir de cette manière. Elle renvoie une queue de fer. J'ai de sable. Et wesh, c'est vraiment un chien de caniveau. Le mec, il sait juste te renvoyer du sable et hurler. Ça, c'est mon Bibi! Cacturne. Cacturne, on va envoyer Von. Cacturne, on va envoyer Von. On va envoyer Von. On va lui envoyer une grosse déflagration dans sa mère au Cacturne. Déflagration. Ah, il rate l'attaque, putain! Dommage! Von est infecté. Oh, il me récupère. Oh là là, le bâtard. Petite éruption. Let's go! C'est comme ça qu'on aime! C'est comme ça qu'on aime! Monte 52! Let's go, Von! Tengalis. Tengalis, on laisse Von! On laisse Von encore! Oh, le vampigraine dégueulasse! Oh, le petit vampigraine de bâtard! C'est que le premier... Ouais, je sais, gros, mais j'ai le droit d'être content! Allez! Tengalis, la racaille, ça dégage également! J'aurais peut-être dû mettre déflagration, je sais qu'éruption c'est mieux si t'as moins de... Oh bah... Yeah. Première étape. Allez. Écoute ce que Perdon veut dire, tu as ce qu'il faut pour continuer, alors va dans la prochaine pièce et beau combat, merci. Merci, attends on va mettre des baies à mes Pokémon, j'ai oublié de leur mettre des baies. Des petites baies contre des trucs de merde du style du poison ou des conneries comme ça. Je pense que ça fait pas de mal, tu vois. Genre donner, tu vois, des petites baies contre le poison. Des baies brûlures et des conneries comme ça. Enfin, brûlure, je suis pas sûr que ce soit très utile. Tu vois, mais par exemple des baies marrons au cas où il t'endort, tu vois, des conneries comme ça. Ça mange pas de pain. Hop. Juste, je l'ai rempli de baies tous, là. Hop là, on va reprendre... Attends, le multi-exp est bien dans mon sac déjà, je vérifie. Faut que personne ait... Ouais, voilà, ça va être déjà là. Et enfin, on va donner une petite hyper-popo pour commencer à Bibinche. Les hyper-popos, c'est pas grave, j'ai voilà les guérisons à côté, donc... je me permets de pouvoir aller à fond contre le deuxième. Hop là. Allez, c'est parti. Deuxième étape. Let's go. Allez, on sauvegarde la progression. Allez, quand c'est un type spectre. Est-ce qu'il y a la différence entre spectre et ténèbres? Il y a quoi qui est fort contre le spectre déjà? Le psy, c'est fort contre le spectre? Non, je pense pas. Si, psy, c'est fort. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Alors, on va envoyer Olas. Et on va reprendre la baie pêcha sur lui, qui apparemment n'est pas super efficace. On va prendre la baie du sommeil au cas où, tu vois. Au cas où ça le fait dormir. Ça va vous m'aider, les frères. Vous êtes des vrais gars. On va lui donner cette horreur. Tiens, Bibanks. Si, spectre et ténèbres. Ok, bon, on va voir.
Allez, Spectra, ramène-toi à la racaille du Mont Memoria. Spectre, c'est aussi fort contre Psy? Ok, d'accord. Bon, on va voir. On va voir, on fait le combat. Lui, il m'a pas l'air très réceptif à un psycho, là, si je dis pas de bêtises. Elle est où la connaissance de la table des types? Ah, elle est pas toujours là, hein. Je suis pas sûr que psycho ça marche, si. Ouais, ça va. Ça va. J'ai vu pire. Attends, malédiction, il va se buter là, ce gros gogol. Mais arrête. Il s'est buté, ce gros débile. Oh, l'imbécile heureux. Mais je vais switch et c'est tout en fait. Mais il est trop laid. On va envoyer Kai Morse, tiens. Mais il est trop con. Malédiction, ça fait mal. Ouais, je sais qu'il suffit juste de changer en fait. Tiens, on va lui envoyer un gros coup de surf à lui. Un gros coup de surf dans sa mère, tu vois, comme ça, histoire de commencer un peu léger. Oh, ça fait mal, hein. Oh, ça fait mal. Bon, il va utiliser sûrement une connerie du style une petite guérison. Donc on va... Ouais, voilà, une petite guérison, c'est pas étonnant. Non, on va pas tomber là, ça va la fin du combat. Non, je sais qu'il suffit de switch une fois. Il suffit de switch une fois, si je dis pas de bêtises. Alors, on revoit un petit coup de surf contre le frérot branlette. Voilà. Et voilà, coup critique. Aïe, aïe, aïe. Coup critique. Let's go. Branlette encore. Bah, la vie de ma mère, on change pas. S'il me renvoie un branlette, mais renvoie-moi toutes tes branlettes, frérot. Y a pas de plaisir, y a pas de souci. La racaille branlette va se prendre des surfs. FC Kai Morse, ça dégage. Oh, le tonnerre. Ouh, 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 ouh. J'avais pas compris. Oh. Bon, ça fait pas si mal. Il tank. Franchement, il tank quand même. Il tank, mon Kai Morse. Allez, let's go. C'est quelqu'un encore qui est down. Terraclope. Bon, on va garder Kai Morse pour l'instant. On va garder Kai Morse, je me sens bien avec lui. ATM. Des grands coups de surf, en plus il est plus rapide. C'est lourd. Lourd. Petit éboulement, ça va rien me faire en plus. Oh! Bah bien sûr que si, éboulement ça fait mal. Mais ça fait pas si mal que ça, tu vois. Oh, il avait une belle, le chien. Et dire que tu voulais pas de Kai Morse. Non! Je vous ai écouté, la preuve! Je vous ai écouté, vous pouvez pas dire le contraire. Allez, éboulement qui risque de refaire mal. Ça me finit pas, je le tue. Ok, je vais tuer Terraclope et après on va switch pour le dernier. Oh, la guérison de fils de pute, je m'y attendais pas. Je pensais la guérison, ça se mettait que dans le rouge. On va envoyer une petite... Là, il me reste pas d'hyper potion, il me reste que des guérisons aussi. Ok. Est-ce que je suis plus rapide? Il me semble que je suis plus rapide. Si je suis plus rapide, il me semble que je peux le tuer tout de suite. Voilà! Let's go, Kai Morse! Ténéfix va être envoyé. Ah, lui, il a pas de réelle faiblesse, donc du coup, on va pas lui envoyer Olas. On va lui envoyer Yas. Ou j'aurais pu envoyer Bibi. J'aurais peut-être même dû envoyer Bibi. Mais Ténéfix, il n'y a pas réellement de faiblesse, donc c'est pas très grave si je lui envoie Yas. Wow. Est-ce qu'un petit lame-feuille, ça lui fait mal? Ok. 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 Let's go. Kaimor s'envoie des méga Malboro vu ses défenses. Eh, franchement, Dune, il envoie des méga Malboro. Et c'est fini. Et c'est fini, mesdames et messieurs. Deuxième combat gagné sans réelle difficulté. C'est parti. J'ai lancé le défi et j'ai perdu. Bien sûr que t'as perdu, cousine. Toi aussi, un lien fort, tu lis à tes Pokémon. Je n'ai pas voulu le reconnaître et forcément, j'ai perdu. J'aimerais bien voir jusqu'où le lien fort te mènera avant jusqu'à la prochaine pièce. C'est parti. Bon, on va soigner, hein. Hop. Bon, là, ici, ça m'a l'air de l'eau ou de la glace. Donc, j'ai l'autre qui a Psycho. Enfin, qui a Tonnerre. Donc, j'ai Olas qui a Tonnerre. Et j'ai forcément, du coup, Junko. Mais Junko, le problème, c'est qu'il est aussi faible contre...
contre la glace. La glace frappe fort sur Junko qui a aussi un type vol, je crois, une Kamekasa. Tiens, Kai Morse. Bibi dans la place. Ah ouais, Bibi, pas con. C'est pas haut, c'est glace. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Bibi. C'est vrai qu'il y a Bibi. Tiens, on va envoyer Bibi. On va envoyer Bibi pour commencer. Et il y a également Von avec des grands coups d'éruption également. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, je suis bien. Non, pas Yas, Bibi. On commence avec Bibi. Il y a Von. On a du backup. Glace fort contre acier. Ah ouais, t'es sûr? Vas-y, on va voir. Bibi, mauvaise idée. Ah ouais, merde. Bah, j'ai démarré avec Bibi. La moitié au glace, ok. Vas-y, on va voir. Fogler, aïe. Oh, le Fogler, il va m'envoyer un gros coup de surf, je vais parler tchécoslovaque, les gars. Ah ouais, merde. C'est vrai que je savais pas avec quel démarrer aussi. Bon, pas grave, hein. Maintenant qu'on y est. Bien. Grêle, ça va. Ça va. Normalement on renvoie un coup de queue de fer, là c'est KO. Salam le Fog! Ok, c'est fait pour lui. Kai Morse, aïe, Kai Morse. Kai Morse, je vais envoyer Olas. Un gros Kai Morse déjà hyper vénère là comme ça, c'est... C'est spécial. Aïe, la grêle qui continue. Olas qui va être frappé. Bon, ça va. Gros coup de tonnerre dans sa mère. Allez. Bien. Sa midlife suffisamment pour pouvoir le tuer si ça passe le deuxième coup. En plus, il est plus rapide. Donc, normalement, là, le Kai Morse, prochain tour, à moins d'un gros problème là tout de suite. Ouais, c'est bien, il tank. Bon, la grêle, c'est vrai que c'est un peu relou. Ça va enlever des PV à chaque fois. Bon, 9 PV, ça va. Oh non, il a une baie, le chien. Il a une baie. Donc là, il faut que je lui enlève suffisamment pour pas que, tu vois, elle lui mette une guérison et que je puisse lui mettre l'achever avec tonnerre. Donc j'ai limite envie d'utiliser Balombre, tu vois. Vas-y, on va envoyer Balombre. Sur un deuxième tonnerre, elle va envoyer guérison, tu vois. Voilà, là, c'est suffisant. S'il meurt pas, normalement, coup de tonnerre et c'est one shot, là. C'est bon, je meurs pas. Il va avoir la grêle. Ok, on est frappé. C'est bon, c'est ok. Coup de tonnerre, normalement, c'est Salam Lamif. Allez. Let's go! Let's go! Ça fait plaisir! Niveau 53, Léolas! Oniglali. Putain, Oniglali, là, ça a l'air d'être un nom sombre, ça. On va envoyer Von. Oniglali, Glali, Glaçon, Glace. Feu. Je sais pas si Von c'est bien, mais... Allez! Ok, bon, ça a l'air d'être du bon glaçon, ça. Type glace. Déflagration. Tu connais pas Oniglali? Bah là, comme ça, ça me disait pas spécialement grand-chose. Allez, un grand déflagration dans sa mère. Il rate l'attaque. Von! C'est pas le moment, Von, c'est pas le moment! C'est pas le moment! Oh! Il m'enlève quand même ça, là, avec son petit laser glace, là. Allez. One-shot-moi ça. Ok, c'est pas one-shot, mais c'est suffisamment pour faire assez mal. On va renvoyer une éruption, hein, écoute. Hein. Normalement, il one-shot pas avec ça. Il va me rester suffisamment de PV, sauf s'il y a un coup critique. Ok, c'est bon. Ok, il l'a pas raté, let's go! Allez, salam, Oniglali, là, maintenant! Je me suis hypé trop fort, les gars. J'avais pas vu. Allez, on va lui mettre une guérison parce que ça risque d'être chaud. Et surtout, il va surtout mettre la sienne en face. Voilà. Putain, bâtard de Von de merde. C'est pas cool. Alors, on va mettre une déflagration. Tu le rates pas cette fois. Tu rates pas ta déflagration, frère. Mur lumière pour PV bas, plus PV bas. Ouais, j'avais oublié. Allez, tu la rates pas. Voilà, il l'a pas raté. Let's go. Ça, normalement, ça a un potentiel de one-shot. Pas one-shot, mais c'est propre. Super. Super, il n'y a plus de mur lumière. Vas-y, renvoie ta laser glace, c'est bien. Bâtard de Von de merde, c'est vrai que j'insulte Von. The Captain, merci à toi, Sepro.
Merci, merci. Allez, Oniglali, salam. Merci, The Captain. Ça fait super plaisir, The Captain Babas, merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez un petit Twitch Prime ou quoi, ça me fait plaisir. Ok. Ok, un dernier Fogler, on va changer. Oh là, c'est un peu lourd, malheureusement. Mais c'est lui qui a tonnerre. On va envoyer Yas. Yas, il sera puissant face à Fogler. Moins t'as de PV, moins ça met des dégâts. Ok, je savais pas. Enfin, il me semblait que c'était l'inverse. Il me semblait que c'était plus t'avais de vie et plus ça mettait des dégâts. Ah, c'est Fogler, c'est pas Kaimor. Ça va, allez, un petit Lamefeuille. Bien. Je me régale. Je me régale. Oniglali va être envoyé. Bon, et Bibi, vu que c'est du type glace pure, ça peut, je peux lui casser la gueule avec Bibi normalement. Allez, let's go. Gros queue de fer dans ta mère. Ah, on est bien. Ah là là là, gros, je suis content. Là, ça devrait faire mal. Oh, oh mon dieu. Oh, je l'ai one shot quasiment. Let's go. Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go. Je sais pas si elle va mettre une guérison. En tout cas, j'ai plus beaucoup de PP sur que de faire. Faudra le mettre. Ouais, il va mettre une guérison. Putain, mais je vais mettre les griffes d'acier. Et après, normalement, deux griffes d'acier, ça devrait finir. Deux griffes d'acier ou une griffe d'acier plus une queue de fer, ça devrait finir. Ok, super. Une deuxième... Normalement, techniquement, une deuxième griffe d'acier, ça devrait suffire. Allez. Allez, envoie-moi ton laser glace, frérot. Envoie-moi ton laser glace. Ça fait rien à l'acier! La glace ne casse pas l'acier, frérot! Et là, normalement... Bibi qui ferme des gueules, cousin! Let's go! Bientôt niveau 52. Allez! Ça dégage! Avant jusqu'à la prochaine pièce. J'arrive, frérot. Respect, Zach, tu niques son corps de métier. Ouais, je nique le corps de métier. Bon, toujours pas un Pokémon KO, on a fait les trois premiers, hein, franchement. Ça, on va guérir les frérots. Sardoche est complètement taré, Sardoche est complètement malade. On guérit Yola, super. Mais glace éternelle sur Kaimorse. Comment ça, glace éternelle? Oh, bien vu, petite glace éternelle sur Kaimorse. Objet, prendre. Fuck la BP chat. Petite glace éternelle sur le frérot Kaimorse. Oh, ça va tabasser. Next type dragon. Ouais, je sais que le next c'est type dragon. Bon, j'ai encore 20 guérisons, donc je peux me permettre également de mettre Bibi full HP. Ainsi. Ouais, c'est bon, tout le monde est full HP. Je pense que je vais commencer avec Kaimorse directement. Et on va remettre des PP à Bibi. Allez, sauvegarde. Full laser glace le prochain, bien sûr. Oh merde, j'ai oublié de mettre des PP à Bibi. Oh la flemme. Allez. Est-ce que j'ai passé Kaimorse en premier? Oh, je sais pas, j'ai appuyé sans faire exprès. T'as vu ce PA, ce qui s'est passé? J'ai rien compris, gros. Merci Smiledge, merci à toi d'avoir ça, frérot. Merci beaucoup, bienvenue à la famille, merci du soutien. Waouh. Kaimorse, let's go, je l'avais mis en premier. Je pense qu'il y en a un qui a dit dans le chat qu'il va commencer par abri. Ah, la classique! Il a commencé par abri, monsieur! Vas-y, on va renvoyer. Oh, le glace éternel! Oh, le glace éternel! Oh, le glace éternel qui fait effet, mesdames et messieurs! Kaimorse qui gagne 1600 points! Dratak. Enfin, Dratak, on reste, hein. On reste, cousin. On reste, cousin. Ah, le Dratak niveau 55 qui fait pas rire, hein. Il va peut-être se faire ban Twitch. Qui perd? Mais il a fait quoi, PA? Vas-y, on tente un Blizzard, je sais pas si ça passe. Ah, le éboulement qui rate son attaque, let's go, alors c'est super fort sur moi. Let's go, Blizzard qui passe! Un petit one-shot, Imo. Oh! Let's go!
one shot le Dratak, mon frère. Niveau 54, Kai Morse. Altaria va être envoyé. Oh, Altaria. Altaria, la racaille Altaria. Si on laisse Kai Morse, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Kai Morse, c'est très très chaud. Il est sur un site et il y a une grosse chat qui a spawn. Non, mais s'il a pas fait exprès, il se fera pas ban pour ça. Merde, j'ai envoyé Blizzard, j'aurais dû envoyer. Il l'a raté, j'étais sûr. Il va mettre tonnerre. Altaria, ça a tonnerre. Non, Drance Draco, ça va. C'est pour augmenter son attaque par contre. Mais j'aurais dû envoyer laser glace, je suis con. Allez, un gros laser glace. Un gros laser glace, s'il te plaît, Kai Morse, mon frère. Il a gagné en vitesse, donc du coup, il peut attaquer avant moi maintenant. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde. Là, il s'est boosté deux fois son attaque. Il va m'envoyer un tonnerre du futur, frère. Ça le one shot? Oh, let's go! Qui fait son taf. Hipporoi. Hipporoi, c'est quoi déjà cette connerie? Hipporoi, je peux lui envoyer un coup de tonnerre aussi? Ou laser glace, ça marche sur Hipporoi? Je crois pas que ça marche, hein. Laser glace sur Hipporoi. Au dragon, ouais, donc du coup, ça, laser glace, ça a pas marché. Je pense que je vais changer pour aller envoyer des coups de tonnerre. Coup de tonnerre, ça devrait pouvoir peut-être faire son effet. On essaye dans tous les cas. Parce que je pense qu'il y a encore un Dratak derrière. Un coup de tonnerre, ça devrait pouvoir faire effet normalement. Ouais, pas dingue. Oulala, le Danse Draco. Peut-être un Psycho. Hein. Un Psycho, ça pourrait faire plus mal encore. Hein. Psycho, vu que c'est un Psy qui envoie un Psy. Oulala, le plaquage qui va faire mal. Par contre, il va perdre... Il va perdre de la vie sur ça. Ah non, il a pas perdu de la vie. Merde, il me semblait que c'était comme Bélier. Oh, le Psycho qui fait très très mal. On va s'envoyer une guérison parce que lui va s'envoyer une guérison également. On s'envoie une guérison, deux Psycho et c'est ça l'âme normalement. Super. Gros Psycho dans sa mère. Et ça devrait faire suffisamment mal pour dégager l'Hipporoi. Psycho. Oh brouillard. Oh le brouillard, mon frère. Oh la précision. Oh la précision qui baisse. Oh le relou. Ça va, oh là, si tu choques pas ses attaques, c'est pas Bibi, frérot. Un autre Psycho et ça devrait suffire. Danse Draco, mais il m'attaque pas, il m'a envoyé un plaquage en 5 tours, frère. Deuxième Psycho, s'il le rate pas, ça devrait suffire. Tu le rates pas. Il a raté. Oh mon dieu. Tonnerre, peut-être. Oh, le plaquage qui va faire mal, il a augmenté son attaque de ouf. Peut-être pas suffisamment pour one shot, mais ça fait mal et en plus je suis paralysé. Ah, il est paralysé également. Ok, super. Peut-être un coup de tonnerre, là. Paralysé, ne peut plus attaquer, ça pue. On va s'envoyer une guérison. Ah, il a raté le Psycho qui l'aurait fait finir. Il va m'envoyer deux plaquages et je vais parler chinois. Oh, il est paralysé, c'est ma chance, c'est ma chance, c'est ma chance. Psycho. Il le rate. Ok, il est paralysé encore, il est paralysé encore, il est paralysé encore. Psycho. Allez. Oh, j'ai eu de la chatte. Franchement, j'ai eu de la chatte. Ouais, j'ai eu de la chatte de ouf. Oh, j'ai eu grave de la chatte. Franchement, j'ai rien à dire. Vous pouvez le dire dans le chat. Chatté of all time. Libégon. Oh, c'est un Libégon. J'ai envie de... Vas-y, une petite Libégon battle. Je me permets. La chance, ça se provoque. Hey, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, franchement. Après, le save va être niveau 50 000, 54 ou je sais pas quoi. 54, 53. Ok, il est plus fort que le mien. Mais j'ai envie que Libégon y participe aussi, tu vois. Oh, paralysé, let's go! Oh, son Draco souffle, lui, par contre, il va pas m'enlever que la moitié de ma vie. Hein. Oh, si, ça va, ça tank. Ça tank des deux côtés. Bah, tiens, on va renvoyer un Draco souffle. Hein. Le mien est plus rapide que le sien, alors que j'ai deux niveaux de moins. Hein. Ok, super, il va sûrement utiliser une guérison. Ah, il est paralysé, il peut pas attaquer, super. Super. Tu sais quoi, je vais prendre l'edge en réattaquant. Je vais pas me heal là tout de suite. Je sais qu'il va utiliser sa guérison. J'aurais peut-être dû utiliser la mienne du coup. Parce que vu que j'attaque en premier, ça pourrait m'aider. Mais je vais en profiter là. Hop, super. Ok, il est paralysé encore. C'est bon, j'ai de la chatte. Il va me renvoyer un Draco souffle. Ah non, je renvoie un Draco souffle. Je suis encore devant. Oh là là, mon dieu. Oh, mon Libégon qui va gagner. Il est paralysé. Oh, c'est écœurant la chatte que j'ai. Il a pas pu m'attaquer. C'est un truc de ouf. Il m'a envoyé une attaque, frère. Allez,
Ça rentre chez soi. Ça rentre chez soi. Bon, je crois qu'il en reste un dernier par contre. Quel mérite d'avoir fait tout ce chemin en tant que dresseur de Pokémon, tu sembles avoir la qualité que possède lui, ce qu'un dresseur machin blabla. Ah, le maître t'attend. Allez. Lui, on l'a renvoyé chez lui. Hop. Oh, je lui ai chié dessus, sérieux. Ah, sans déconner, je lui ai chié dessus. Tu peux pas save dans la prochaine salle? Bah, on va save maintenant. Allez. Hop, c'est bon. Ah ouais, mes pépés. Vous avez raison. Max Elixir. On va les utiliser maintenant. Hop. Également sur Olas. Également sur Kaimorse. Chico, merci à toi, Russell, mon ami. Re-bienvenue dans la famille. Merci du soutien, merci beaucoup, gros. Ça fait plaisir. Allez, it's time. Attends, est-ce que je renvoie Kaimorse? Kaimorse en premier, vous pensez? Ou alors, non, tu sais quoi, rien. Pour l'histoire, pour écrire l'histoire, j'envoie Yas en premier, rien à foutre. J'envoie mon starter. Mon starter en tout premier. C'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire, les amis. Allez, viens, Kemar. Yas en premier, c'est pour l'histoire, c'est mon starter, faut que je starte le combat avec lui. Fuck it. Yas en tout premier, c'est parti. Maintenant, qui de nous deux va pouvoir se vanter d'avoir les meilleurs Pokémon d'Oen, nous allons le savoir tout de suite. It's time! Waylord, let's go! 57! Moi, mon Pokémon max, il est 54. Hein. J'ai du 3-4 niveaux en dessous. Hein. Lame-feuille, allez! Je lui ai fait mal, hein. Utilise danse pluie. Ok, bon, ça va. Je sais pas s'il va mettre une guérison directe, mais dans ce cas-là, on va réattaquer. Dans tous les cas, de toute façon. Ah là là, la pluie qui tombe, ça fait mal, hein. Ouais, guérison, c'est un chien. Après, forcément, hein. Après, normalement, je suis plus rapide que lui. Je peux lui envoyer deux coups de lame-feuille, normalement. Genre, là, normalement, il est mort. Je vais lui renvoyer juste un coup de lame-feuille et il sera KO. Ok, ça lui a fait encore plus mal. C'est propre. Normalement, ouais, je suis plus rapide. Je suis plus rapide, donc c'est à la maison la Rakai Waylord. Voilà, super. Allez, on commence bien. On n'a pas perdu un HP. C'est lourd. Yas a gagné 2500 d'XP. Ben, ça, c'est lourd. Milobelus. Milobelus, j'envoie qui? Milobelus. Milobelus, j'envoie. Kaimorse. Parce que là, le seul petit problème, c'est que Milobelus est aussi haut. J'envoie peut-être Olas. Ouais, vous pensez que je laisse Yas? C'est vrai qu'il a laser glace, il va me casser la gueule à Yas. Tu sais quoi, je pense que j'envoie Olas. J'envoie Olas pour envoyer un petit coup de tonnerre ou quoi, mais. Yas, il a la... Parce que je sais que mon Milobelus a laser glace, il va me péter les dents. Oh là là, le Milobel. Niveau 58. Oh! Mon dieu, il va me casser la gueule. Oh, il va me péter la bouche là. C'est vrai que je suis plus rapide. Ok, super, c'est super efficace. Ça lui enlève pas suffisamment pour pas qu'il utilise une guérison après. Oh, le toxique. Oh, attends, j'avais pas mis ma baie. Dis-moi qu'il a une BP chat. Dis-moi qu'Olas a une BP chat. Je l'avais mis la baie. Lui aussi. Oh, synchro de Olas a empoisonné le Milobelus quand même. La baie. La baie. La baie qui va faire son travail, mesdames et messieurs. Attention, la prévoyance de Zach. Souffre du poison, let's go. Et ça va faire juste suffisamment pour que Tonnerre le tue. Oh, le Milobelus. Oh, le Milobel. Oh, le Milobelus qui est viré sans enlever un HP. Let's go. Tentacruel. On va laisser Olas, Putain, la petite bête qui fait la taf. Je suis content. Après... Peut-être Tentacruel, ça a morsure, mais moi j'ai Psycho. Ça devrait. Ah, le vieux toxique cette fois qui va effectivement me casser la bouche. Mais normalement, lui aussi il va choper un coup de toxique dans sa mère avec le.
Avec le synchro. Hey, c'est inefficace, merde. Bon, tant pis. Gros coup de psycho dans sa... psycho dans sa York, exactement. Oh, oh, ça a failli one shot. Ok, il va utiliser une guérison. Je vais en profiter pour utiliser un total soin. Un petit total soin, tu vois. Total soin, total soin, total soin, total soin. Ok. Voilà, on va pas utiliser une guérison pour ça. Lui, il va utiliser une guérison. Voilà, super. On renvoie un coup de psycho. On renvoie un coup de psycho. Ça devrait le renvoyer dans les cordes. Ah, je suis pas plus rapide cette fois. Oh, la bombe burk dégueulasse. Oh, ça fait mal. Ça devrait le renvoyer dans les cordes, ça, normalement. Super, super, super. On est bien. On est toka. Bombe burk, ça devrait pas one-shot, sauf s'il y a un coup critique. Oh, ça a failli me niquer. Allez, ça dégage, tentacruel cruel. Allez, on a... vraiment, là, on en a levé 3. On s'est fait des gondes 0, gars. Pour l'instant, c'est... L'équipe est toka, hein. Ludicolo, Ludicolo, c'est quel type déjà? Ludicolo, c'est pas plante, c'est cette merde, y'a pas un Von. Aux plantes. Ah, aux plantes. Aïe 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 aïe. Donc du coup, Von il va douiller. Aïe aïe aïe, Von il va se prendre un coup de surf, il va douiller. Ah, j'ai oublié les PP de Von. Putain, il a quasi plus de PP. Ah, surf. Putain, il va one shot. Sa mère, j'aurais dû Ilolas. Aïe 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 aïe, le mauvais choix! Le mauvais choix du joueur français. C'est vrai que j'aurais pu garder Olas, mais il n'y a pas d'HP. Bibi, il peut pas tanker un surf, on va envoyer Kaimorse. Ouais, non, mais il a du plante aussi. On va envoyer Yas. On va envoyer Yas, et on va heal Olas. On va envoyer Yas et on va heal Olas. Olas, parce que Yas, il peut se permettre de tanker un tour. Yas peut se permettre de tanker un tour. On va envoyer une guérison en attendant Olas qui... Avec un tonnerre, après, pourra venir s'expliquer les yeux dans les yeux. Et j'ai aéropique, ouais. C'est vrai qu'il y a aéropique sur Yas également. Oh, le reflet. Le vieux reflet qui augmente l'esquive. Ok, ça fait mal. Pas si mal que ça, mais suffisamment pour être quand même pas mal. Kaimorse, laser glace, ouais, mais en fait, vu qu'il est haut, le laser glace, il aurait pas fait de super dégâts, je pense. Ou je me trompe peut-être. Alors on veut monter son esquive. Ok, surf, ça va pas me faire grand chose. Ça va, ça m'a pas fait hyper mal. Allez, ça dégage. Ludicolo, à la maison. À la maison, monsieur. Niveau 54 pour Yas, let's go. Barbicha, 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 Barbicha. Barbicha, il est aussi tonnerre, donc lui envoyer tonnerre, c'est pas dingue, faudrait peut-être laisser Yas. Je vais laisser Yas, parce que plante, ça a rien contre le tonnerre, et c'est fort contre l'eau. Donc it's time pour envoyer un énorme giga sans-fuit. Au sol, ah c'est au sol et pas au tonnerre, ok. Et au sol, c'est... Oh le one-shot. Oh le one-shot, mesdames et messieurs. Le one-shot, mesdames et messieurs. Et on récupère de la vie au passage. Yas a gagné 1900 d'XP. Allez, il va lui rester Léviator. Léviator, on va envoyer Yas. On va envoyer Yas avec un gros coup de tonnerre qui aura double... Enfin, Olas, pardon. On va envoyer Olas. Et tonnerre qui aura une double efficacité face à l'eau et le vol. Et oui, mesdames et messieurs. Allez. Tonnerre. Ça devrait lui faire très très mal. En plus, j'ai la rapidité. Pas ça va le one shot, mais ça devrait lui faire suffisamment mal. POO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 
Attends, attends, mais on va. On doit se taper contre elle? Oh là 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 là. Non, on se tape pas contre elle, bon ça va alors. Le nouveau maître, c'est moi. Bon, maintenant on va aller capturer Rayquaza, Kyogre, Groudon. Parce qu'on doit aussi les capturer. Histoire de, tu vois, faire un petit tour à la zone de combat. Scan live sur Warzone, c'est pas tout de suite, frérot. C'est ici que les maîtres de la ligue sont honorés. Et oui, monsieur. Viens inscrire ton nom. On va inscrire le nom. Mais hop, c'est la ligue des Oulettes, frérot. Platine, c'est quand, du coup? Bah, je pense, là, on va aller tranquillement capturer... capturer des frérots. Et après avoir capturé des frérots, on va tranquillement... Yasko! Yasko! Avec Bibi! Le frérot Bibi dans l'histoire de la ligue! Libégo! Libégo, mon gars sûr, qu'on a transformé depuis Craquenois! Von! Von, le gars qu'on a chopé assez rapidement! Kaimorse, le Pokémon du chat! Et Gardevoir, qu'on avait chopé en Tarsal niveau 5! Qui se rappelle le Tarsal niveau 5? On l'avait chopé au tout début de l'histoire! Youhou! Expert dans leur sub, frérot! Et enfin, Zach! Maître de la ligue! Let's go! Voilà, maintenant on va aller choper Rayquaza, Groudon et Kyogre. On va au moins les choper. On va faire un petit tour à la zone de combat. Il y a aussi Pierre à tabasser. Et après, on va aller. On va commencer les Pokémon Platine, je pense, demain. Voilà, c'est tous mes Pokémon là. Tous les Pokémon que j'ai chopés, voilà, super. Oh, désolé, hein, j'ai passé un petit peu. Latios, ouais, il y a Latios et Latias aussi. Full cheaté, Emerald full cheaté avec les trois légendaires. Après, c'est pour ça que moi j'ai pas fait la ligue avec Rayquaza, parce que je sais que c'est cheaté. Les Régis, ouais, les Régis aussi. Voilà, tous les Pokémon que j'ai attrapés. Ouh. Allez, on accélère un peu. La 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 la, Translator, ta 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 ta, super. Fin. Ouh. Pokémon Emerald. On est dans ma petite maison! Wesh le daron! Mais c'est Zach! Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu! C'est l'impression que tu me donnes, mais ton vieux père n'abandonne pas! Ah oui, j'ai quelque chose pour toi! Un certain monsieur Marco m'a donné ça! Passe-bateau! Youhou! C'est un passe pour le ferry, si ma mémoire est bonne, il y a des embarcadères à Poivre Sel et à Nenu Creek. Let's go! Allez, casse-toi, papa, je suis meilleur que toi, petit connard! Et voici un bulletin spécial d'information, c'est un Pokémon volant de couleur. Ah, faut que je choisisse bleu. Latios ou Latias, les gars? Il faut que je choisisse bleu ou rouge, non? Bleu ou rouge? Latios ou Latias? Latios? Latios, c'est le rouge ou le bleu? Je sais pas lequel est lequel, hein. Latios, c'est le rouge? Ah, je vois qu'il y a beaucoup de bleu, quand même, hein. Bleu 100 fois. Franchement. Allez, vous avez gagné le chat. Bleu. C'est parti. On va aller choper Latias, le frère. Mais avant Latias, j'ai un rendez-vous qui m'attend. Ah merde. Tiens, Zach, toutes mes félicitations pour tes exploits. Allez. Blablabla, 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 c'est bon, nique ta mère. C'est pour ça qu'il est nécessaire que je passe votre Pokédex en... Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire le Pokémon Dex national. Faut aussi que j'aille au Safari. Faut aussi que je fasse le Safari. Ah, c'est Latios en bleu. Ok, ça me va, ça me dérange pas que ce soit Latios. Pokédex de Zach est passé en mode national, let's go. Il faut aussi que j'aille au Safari. Au Safari, il y a eu des zones qu'ils ont ouvert. Let's go. Bon, directement, moi, je perds pas de temps. Hein. Y a pas de perte de temps du côté de Zach. Hein. Y a encore un milliard de trucs à faire. Pas tant que ça. Et après, on va faire les basiques, tu vois. Je suis à bord du Marina.
Dis-moi, j'aimerais t'inviter quelque part, si ça t'intéresse pas, prendre le ferry. Ça t'intéresse prendre le ferry? Ok, bah on ira prendre le ferry plus tard. Mais c'est pour la zone combat, ça, si je dis pas de bêtises. Et là, it's time! On va juste envoyer un petit max repousse pour les racailles. Oh, j'ai encore des super bonbons pour... à donner. Allez, c'est parti. Là, on va aller voir la racaille, là. Rayquaza, c'est par ici, non? Ou alors, je me trompe, peut-être. Non, non, ici, je suis con. Ici, je suis trop con, c'est pas ici. C'est pas ici du tout. Faut que je parte... là. Et c'est genre Chenal 131, ouais, c'est là. Faut que je parle à Thanéopolis, hop. J'ai confondu. Mon mauvais. Là, c'est time pour Rayquaza. Ah ouais, merde. J'ai pas mon connard d'Obali. J'ai pas mon sac ACS. On va déposer... y'a qui va me servir à rien? Ouais, j'ai déposé Camerupt, hein. Il va pas me servir à grand chose contre Rayquaza, tant pis. Juste un Pokémon de merde qui a plongé en fait. C'est un Obali normalement. Niveau 30, ouais, c'est lui. Attends, juste dans le doute, est-ce que je l'ai bien pris? Ah, c'est bon. Hop là, allez, c'est parti. Oh, vraiment, j'ai une élite team de Pokémon, hein. Prends le vélo de course, je l'ai déjà, frérot. J'ai déjà le vélo de course, si ça peut vous rassurer. Change le titre du live. Faut... Capture des Rayquaza, je mets... Attends, attends, attends. Je change le titre un tout petit instant. On va chercher Rayquaza. Hop. Tac. Modifier les chats. On va chercher Rayquaza. Puis Kyogre et Groudon, les affreux. Ok, voilà, c'est changé. Tac, attendez un tout petit instant. Tac. Quelle nostalgie ce jeu de ouf! Allez, on remonte. Faut aller Chenal 131, si je dis pas de bêtises. Oh, l'effet du repousse se dissipe. Oh, la flemme internationale, je vais voir les tentacules de merde. Les Régis aussi, on va voir après. T'as réussi à first try la ligue? D'une, j'ai first try la ligue. Et de deux, la ligue, je leur ai cassé la gueule. Ils m'ont KO un Pokémon. Ah, faut que j'aille à Pacifiville aussi. Bon, je suis désolé, hein, je vais leur casser la gueule un peu en très rapide, eux. Je me permets d'accélérer. Hop, salut, 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 salut. Hop, 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 hop. Désolé, hein, j'accélère un peu. Perle Diam, c'est platine. Ouais, on va faire platine après, je pense. Je vois qu'il y en a qui voulaient Soul Silver, mais. Soul Silver, je l'ai déjà fait il y a 2 ou 3 ans. Bon, après, c'est pas une excuse pour ne pas le refaire, vous allez me dire, mais. Soul Silver ou platine, je sais pas. Et niveau 70, Zach, c'est impossible. Oui, la ligue, c'était impossible. On connaît. Hein. C'est totalement possible. Et puis au pire, s'il me casse les couilles, ça va lui envoyer une Master Ball, et ça l'homme. Oh, c'est pas ici. Attends, je vais regarder la carte. Carte de ON. Ok, faut que j'aille à droite. Allez, ça l'homme, le tentacool de merde. Je suis en plein platine, là, à cause de toi. Zach influence le monde, à ce que je vois. Zach influence les gens à reprendre Pokémon, à aller le télécharger gratuitement sur ROM Station pour pouvoir le jouer sur PC. Les vrais légendaires s'attrapent avec des Hyper Balls. Ah, mais les vrais légendaires ont rarement 70 niveaux de plus que toi, normalement. Platine, c'est pas sur ROM Station, ah ouais? Bah tant pis, hein. On ira le choper ailleurs. Ouais. La nuée de tentacool de merde que tu chopes, et j'ai plus de repousse en plus, c'est ça qui est affreux. On a pas encore été à Pacifiville. Ouais, j'ai pas été encore à Pacifiville, si jamais.
Et tu vois, si les vrais légendaires se chopent à l'Hyper Ball, je l'utilise quand ma Master en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est marrant d'augmenter le niveau de difficulté et que c'est naze d'arriver devant lui de faire Master Ball et Salam, tu vois. Mais moi, franchement, tu sais, si je suis en dernier recours, parce qu'il risque de me casser la gueule fortement, si je suis en dernier recours, ça risque d'être chaud. Énorme. Énorme Master Ball dans sa mère, tu vois, et on n'en parle plus. Tu vois, il risque de me péter les dents. Hein. Wesh, il a 15 niveaux que la plupart des Pokémon, 15 niveaux en plus. Sur Latios, la Master. Ah, sur Latios, ouais. Ah, ouais, c'est vrai que Latios, vu qu'on le voit jamais, ça peut être le real deal. Ah, ouais, Latios. Ça ira casser la gueule de Latios comme ça. Oh là là, Kaorin, le Pokémon terroriste. Le frérot Al-Kaorin qui fait que de s'exploser. Oh, la flemme internationale. Ah oui, mais c'est le vélo, je suis con. C'est cruel! J'ai arrêté pile à la fin! Oh, c'est ultra cruel, les amis! Ok. Ok, attends, regarde. J'ai pas assez de vitesse. Oh, sa mère la pute! Oh là 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 là, l'enfer sur terre. J'ai déjà envie d'Alt F4 là. En plus, je vois des Pokémon de merde, j'ai pas de repousse. Tout droit, hop. Tout droit, hop. Maintenant, est-ce que deux carreaux ça suffira? Les gars, ça risque d'être sportif. Faut que je tourne après en fait. Oh sa grand-mère! C'est horrible! Je vais jamais y arriver, gros! Faut que je réussisse, tu vois, en tournant correctement à... Oh, c'est un enfer. Oh, je sens que j'ai avoir envie de me flinguer ici. Sur l'avant-dernier du bas, tu as 3 carrés. Je pense pas. Let's go! Ok, y a rien ici, ça va. On va sauvegarder, hein, frère. On va sauvegarder, hein. On a mis la meilleure sauvegarde. On relance le jeu s'il faut. Trop fort. Ok, on est arrivé ici. Maintenant, faut tomber au milieu du prochain. Donc si je dis pas de bêtises, faut que je fasse. Là. Là, si je dis pas de bêtises. Ok, c'est bon. Et c'est bon! Trop simple. C'était trop simple, vous êtes là. Let's go! Allez, on est bien là. Ah, franchement, ça va, j'ai pas été si alcoolique. On a vu pire quand même en termes d'alcoolisme. Oh, il va me casser les couilles, Rayquaza. Il va sûrement me péter la gueule, hein. Vraiment. Donc je pense qu'au début, on va lui envoyer des Pokémon torchons à la Libégon qui peuvent lui envoyer quelques petites attaques. Il y a Bibi aussi qui pourra peut-être tanker un peu. Et on verra. Ouah, les gars. Oh là, le Ray! Oh là là, mon Dieu, il est majestueux, sans déconner. Tant qu'un coup, au moins. Allez, Libégon. Un coup! Ça va.
Ok, super, je l'ai para. Il est para, c'est déjà ça. Là, il va me tuer, mais c'est pas grave. Ah non, c'est passé. Super. Ok, il est para. Génial, midlife. Oh, le repos. Oh, la flemme. J'espère que ça lui enlève pas le para. Il est... Oh non, il sommeille, ça lui enlève le para. Oh, la petite salope. La petite salope de Rayquaza. La petite salope. Ouais, je devrais envoyer Kaymorse, là, peut-être. Je devrais profiter qu'il dort. Je sais pas, il va dormir combien de tours. Je l'enverrai Kaymorse après, tant pis. Allez, dors encore un tour. Encore un tour. Ok, encore un tour, super. Super. Là, il va se réveiller. Ok, bon, il est déjà un peu low. Rayquaza sauvage se réveille. Utilise repos. Ok, c'est deux tours. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire. On profite. Ok, dors. Allez, ronfle, ronfle mon con. Ronfle bien, hein. Connard de merde. Que dormir ce connard. Oh, il rate Blizzard, je suis effondré. Et il se réveille en plus à côté. Il fait que d'utiliser repos, frère. C'est un Rayquaza gilet jaune. Veut que dormir, c'est le Rayquaza de la CGT. Oh. Hors de question, hein. J'ai sauvegardé pour ça. Hein. Je l'ai one shot. Avec un laser glace en ayant 16 levels de moi. Mon dieu. Et je voulais envoyer Blizzard. Ah non, c'est hors de question. Oh, le glace éternel qui fait super mal. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pas fait... Eh, je me doutais pas, j'ai 16 levels de moi. Moi, je me disais, je vais pas le one-shot, frère. Je me disais, je vais pas le one-shot. Ah ouais, on va retirer glace éternel, c'est trop violent, frère. En plus, le combat commençait bien. Le combat commençait bien. Je l'ai one-shot sa mère. En plus, j'ai commencé bien. Je lui ai enlevé la... Allez, donne-moi ta glace éternelle, frérot. En plus, tu vois, je l'avais paralysé et tout. On lui avait mis des petits coups comme ça. Tac, tac. Horrible, sérieux. Tu fous la mort, ça va. Non, mais là, je pouvais pas le one-shot parce que Kaymorse lui a envoyé un laser glace qui lui a envoyé tous ses PV, frère, c'est... Allez. x4 aussi, ouais, non, mais je me doutais pas. Franchement, je me doutais pas. Autant le x4, j'aurais entendu sur un Blizzard, autant, franchement, non. Pas, franchement, ça m'a étonné sur un truc, là. Paralyse-le. Let's go, il est paralysé, c'est déjà ça. Ok, il va me tuer, mais au moins il est paralysé. Palmarès, je suis paralysé. Ok, bon, il va me tuer Libégon, c'est pas grave. Est-ce que sans glace éternelle, je peux lui baiser sa mère? La question se pose. Oh, j'espère que j'aurai pas relancé le jeu. Stop! Stop! Sans la mère! C'est trop puissant! C'est trop puissant! Alors peut-être qu'il faudrait adopter une autre stratégie et démarrer avec Kaymorse, tu vois. Genre, on démarre avec Kaymorse, on envoie un laser glace direct. Est-ce qu'un tout premier laser glace comme ça, tu vois, genre, à votre avis, sans glace éternelle, un laser glace comme ça, est-ce que ça ne le one-shotterait? Est-ce que ça pourrait éviter de le one-shot? Vous pensez quoi? Genre, un tout premier comme ça, bam, laser glace full life, genre. Genre, s'il est full life en face, ça risque juste de le mettre low, non? Kaymorse direct et un gros laser glace. Vas-y, on réessaye. Allez, on réessaye. On réessaye si avec... Non, je pense pas qu'en un laser glace, en démarrant le combat avec ce laser glace, je pense pas que je le fume. On va essayer. On essaye, et si c'est le cas, bah écoute, Kaymorse, tu le battras pas, hein, écoute. Hein, ça va, tu vas envoyer des surfs, hein. Kaymorse direct, un laser glace direct, et on voit ce que ça donne, ok? Mais frérot, Rayquaza, je suis là, trop stylé, majestueux, ma bite, le gars, il est... Oh, j'ai pas enlevé le glace éternel, oh mon dieu. Envie de crever, hein. On va surf, frérot. Il utilise repos. Il start avec repos. C'est un Rayquaza qui n'aime que le sommeil.
Ce chien! Putain, j'ai glace éternelle et en fait, plus il fait vol et tout, il va me casser la gueule. Ah, j'ai le slibar sur le crâne, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Vas-y, hein, tabasse-moi mon Kaimor, ça. Tant pis, on va essayer de... On va essayer de le low un petit peu, comme ça. Putain, j'ai oublié. Vraiment, j'ai oublié d'enlever le glace éternelle. Ouais, tant pis pour Kaimor, c'est pas grave. On va envoyer un Libégon, un coup de Draco Souffle. Il y a peut-être quelque chose à espérer. Serge, celui qui a... Ça fait un... Non, mais là, le but, c'était juste de pas le one-shot. Hein. Oh! Bon. On commence mal. On commence mal. Je savais pas qu'il allait colère dans la foulée. Je pensais qu'il allait vitesse extrême ou quoi, tu vois. Oh, ça commence très très mal. Oh, sa mère. Allez, Bibi, t'es tanky, là. Va tanker un peu, connard. Paralyse-le. Mais j'ai rien pour le paralyser à part Draco Souffle. Franchement, j'ai rien à part Draco Souffle. Colère dure 2 à 3 tours, ok, d'accord, je savais pas. Oh, il est confus. Oh, il est confus. Il se blesse. Blesse-toi. Il se blesse, let's go. Super. On le one-shot pas. Bibi rate son attaque. Bibi, enculé de merde. Vas-y, on va tester une première hyperball, je pense. Il s'en bat les couilles. Il se blesse ou pas? Ouais, il se blesse encore, ça va que je l'ai pas attaqué. Hein. Alors là, il est particulièrement low. Faut pas qu'il se fasse. Faut pas qu'il se tue après. Il y a quoi qui pourrait être intéressant? Lux Ball qui rend les Pokémon amicaux. Sous-marin. Oyasek, Master Ball, Chrono Ball, le combat il est pas long. Qui marche bien sur un. Ok, ouais bon. Honor Ball, ouais, c'est de la merde. On va envoyer la hyper. De toute façon, il va repos ce chien. S'il se blesse là, je meurs. Allez, il va repos. Connard de merde. 23 hyperballs, c'est pas énorme. Ah ouais? Putain, j'aurais dû faire le Stokos. Je me doutais pas. Tiens, on va profiter pour soigner un coup Bibi et ensuite l'attaquer. Ouais, c'est vrai que 23 hyperballs, je suis très confiant. Hein. Super. Hyperball pendant son sommeil. Oh, petit hyperball pendant son sommeil, ça peut tester. C'est vrai que Hyperball pendant le sommeil, ça sur un malentendu. On spam B. Sa mère! Ça marche pas! Après, il est full, ouais, franchement. Que de faire? Ah, j'aurais dû mettre Stridoson. Je suis un gros connard. Ça lui aurait baissé sa défense. Bon, ça m'a pas fait grand chose. On va lui mettre Stridoson. Stridoson, ça va lui faire super mal. Ok, il va colère. Je pense que Bibi va pouvoir tanker un petit peu. Oula, oula, pas tant que ça. Allez, ça va baisser sa défense, c'est bien. Après, j'enverrai Olas avec un petit coup de tonnerre. Avec un peu de chance, on le paralyse. Oh là là, ça fait super mal. Allez, on a baisé sa défense là, franchement. Bon, vu que Colère va one-shot parce qu'il a l'attaque, on va quand même envoyer une hyperball sur un malentendu. Mais ça pivote même pas une fois, frère! Ça pivote même pas une fois! C'est une notion, ça baisse sa défense physique. Non, ça baisse sa défense P. Ouais, frère, il me reste deux Pokémon. Hein. On va remettre un peu un sur pied après. Oh, il est confus, mon dieu, il va s'auto-démonter. Bah, l'ombre, hein, écoute, on va essayer de pas lui faire trop mal. Il se blesse, ce connard. J'enverrai pas la master, ça peut vous rassurer. Par contre, faut pas qu'il se reblesse, parce que sinon il va se tuer, ce gros débile. Oh là, s'il se reblesse, il va mourir. J'aurais dû mettre plénitude, un truc comme ça, je suis con. Hyperball. Allez, il est super low là! Mais regarde, y'a même pas une... Ça pivote même pas une fois! Faut qu'il s'envoie. Je t'en supplie, te blesse pas, envoie-toi un repos. Envoie-toi un repos, cousin. Vol. Ok, ça va.
Mais les serveurs ils votent même pas une fois! C'est grave! Oh si. Sauval utilise vol, ça va, alors qu'il risque de plus être confus soon. Ah, il fait mal. Il fait très très mal. Faudrait un para. Ouais, je sais, mais le problème c'est qu'il a plus de vie. Oh! Bon, il y a eu une pivot. Ça a pivoté une fois, les gars. On est plus confus. Il va utiliser repos ou pas? Ouais, bah il va utiliser repos, connard de merde. On va en profiter, on va... J'ai un rappel max normalement. On va rappel max. Ouais, j'en ai deux, c'est cool. On va rappel max Kaimorse et Bibi qui pourront tanker des coups. Super. On va. Hop. Rappel max les frérots. Fallait prévoir cage éclair. Oui, oui, fallait. Laissez-moi tranquille. Ok, il dort encore. Là, on va s'envoyer une guérison. Parce que là, c'est une one shot. Après, là, j'ai une chrono ball. Ça commence à s'éterniser un peu. Oh, le colère qui va durer 3 tours. Oh! On va changer. Ou alors on s'auto-guérit. Ouais, vas-y, on va niquer des guérisons. De toute façon, elles étaient prévues pour la ligue. Allez, collecte comme un connard. Fallait prendre plus d'hyperbole. Oui, fallait. On connaît les fallait. Allez, on s'auto-guérison. On s'auto-guérison. Oh, il est confus, le trou de balle. Bon, on se guérison encore. Super. Il va se blesser. Il se blesse, let's go. Allez, maintenant on repart. On repart. J'enverrai bien Psycho pour l'affaiblir. Ouais, on va l'affaiblir avant de lui envoyer un coup de tonnerre. Pour essayer de le para. Oh, colère encore, fils de pute. Oh! Sa mère! C'est chiant! Rayquaza de merde! Après, c'est vrai que j'avais mis Stridoson, donc forcément, ça l'a... Putain, c'est... Hey, c'est un enfer, on va jamais le capturer, les gars. Oh là 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 là, il fait que canner, le connard! Là 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 là, oui, super. Alors, on enlève Glace Éternelle, cette fois. J'enlève Glace Éternelle, j'oublie pas. Vous inquiétez pas. Putain... Le seum. C'est quoi, je vais enlever Glace Éternelle et je vais re-sauver, comme ça, au pire, s'il recanne, j'ai pas besoin de le renlever. Hop, hop. La confusion, c'est trop random, c'est random à la mort. Il est trop relou à capturer, c'est horrible. Là, on va voir s'il y a un laser glace direct sans glace éternelle, ça le démonte ou pas. Rappelle-toi ceux qui disaient qu'il allait t'enculer alors que le souci c'est de pas le one shot de ouf. Ça le fait passer pour une terreur. T'as pas enlevé? Si, j'ai enlevé. Ah, je l'ai pas enlevé. Oh merde, oh, attends, oui, bah super, je l'avais pas enlevé, putain. Je suis un guignol, je suis un guignol. Pour le coup, c'est Zach slip sur la tête, là. Ah, j'ai troll, je suis un gros con. Horrible. Bon, alors, on va l'enlever, là. Re. Oh, je suis un putain de guignol. Allez, Pokémon. Objet, prendre. Voilà, c'est bon. Là, on l'a enlevé. Sauvé. C'est bien. On sauvegarde. Voilà. Un laser glace sans ça, est-ce que ça le tue? Est-ce que un laser glace sans ça, ça le tue? Avec un peu de chance, en plus, on le gèle, tu vois. Il veut commencer avec repos! C'est le pire Rayquaza du monde, frère! Il veut que dormir! Est-ce que ça le one-shot? Stop! C'est pas possible, frère. C'est pas possible! Oh, c'est vraiment une zoulette, frère! C'est le Rayquaza qui a ses règles! Il canne en un coup! Ah oui, je sais, il y a des x4 et tout ça, je l'entends, les gars, je l'entends, mais... Mais c'est horrible! Je pensais qu'avec 16 niveaux de moins, il pourrait au moins tanker un laser glace! Quel enfer!
Bon. Bon, on sait que Kaimor, c'est les attaques glace. On va totalement éviter. Alors, on va recommencer avec Libégon, hein. La glace, ça le fume. Ouais, je sais, les frérots. Mais moi, je pensais vraiment que, tu vois, un petit... Je pensais qu'un petit laser glace sans le glace éternel, ça le démontrait pas... Enfin, ça le démontrait pas aussi fort, quoi. Allez, Draco souffle pour le paralyser. Après, il va mettre repos, ce connard. Paralyse-le. Ça l'a pas paralysé. Ok, il veut mettre repos. Regarde, il s'endort direct! Il s'endort direct, le chien! C'est bien, fait des dégâts. C'est cool. Il dort, il va dormir deux tours. Je vais mettre pas mal de dégâts. Avec un peu de chance, il va me rester suffisamment, tu vois, pour pouvoir le paralyser, il sera low. Voilà, il dort. Il se réveille au prochain tour, normalement. Le truc, c'est que si... Là, je vais mâchouiller. En fait, je vais mâchouiller comme ça. Non, là, il va se réveiller, en fait. Tout de suite. Et dans ce cas, je pourrais pas le paralyser. J'aurais dû mâchouiller, puis un nouveau Draco souffle. Ah non, 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 sinon, il sera low. Ça va pas... Voilà, il se réveille. Il fait que dormir. Il fait que dormir, cette saloperie! Fais que dormir, frère, c'est horrible. Normalement, Draco souffle 4 fois, ça devrait suffire, tu vois. Genre là, il va se réveiller, il sera un peu low. Et avec un peu de chance, je le paralyse dans la foulée. Bam, hyperbole dans sa mère. Là, une hyperbole, ça pourrait le faire. Là, s'il dort... Vas-y, une petite hyperbole, tu sais quoi, là, tout de suite. Une petite hyperbole, là, comme ça. Il est midlife plus endormi. Ça a bien marché, hein. Oh, le colère qui va me casser la bouche. Oui, c'est bon, tu m'as one-shot, hein. Y a pas vraiment de surprise, hein. Là, 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 là. On va envoyer Olas. On va envoyer Olas. Un petit coup de tonnerre, là, ça peut peut-être le... J'ai pas baissé ses défenses. Ça peut peut-être le paralyser. Tonnerre. Parce que là, je sais qu'il a colère, ça va faire mal, mais tonnerre, ça peut le para. Ok. Même un nouveau tonnerre, ça devrait pas le finir, normalement. Par contre, ça va tuer Olas. Le prochain coup de... Là, là, un tonnerre, ça le finit pas, si je dis pas de bêtises. Ça va le mettre très low, mais ça le finit pas. Et... Ça le finit pas. Ah, putain, ça l'a pas paralysé. Salam Olas! On va envoyer Bibi pour tanker la colère, là. Et on va envoyer surtout une hyperbole. Allez, Bibi. C'est à toi. Allez. Oh, il est confus. Oh, le fils de pute! Hyperbole. Si ça tourne pas au moins une fois, c'est grave. Deux. Trois. Non! J'y ai cru! Oh, il va se blesser. Il va se blesser, il va mourir. L'enfer sur terre. Oh, l'enfer sur terre. L'enfer, les gars. Fight chat. Save state. Non, 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 non. Moi, je le capture OG. Oh là là, horrible. Non, mais en vrai, là, les gars, avouez, c'est pas de chat, sérieux. Avouez, c'est pas de chat, sérieux. Oh mon dieu. Allez, on recommence, hein. Au moins t'as le schéma. Ouais, 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 j'ai un schéma qui est pas mal. Mais c'est une saloperie, Kwanza, sérieux. La confusion de merde. Oh! Il est shiny! Mon dieu! Il est shiny! Oh! Il est shiny, les gars! Il est shiny, les gars! Non, je suis désolé. Je suis désolé, là, y a pas le choix. Là, y a pas le choix. Là, je suis vraiment désolé. C'est Master Ball et rien d'autre. Je suis désolé. Il est shiny, les gars. Il est shiny, je peux pas! Il est shiny, les frères! Il est shiny! Let's go! Tut 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 t
Rayquaza Shiny, les gars! Et c'est qui vient de choper Rayquaza Shiny, là, à l'instant? Incroyable, franchement. Non, incroyable. Oh, la folie! Ah, je me permets, j'ai mis un petit screen, je vais le tweeter. Oh, la folie! Ah non, non, je suis désolé, j'étais obligé de Master Ball. Ah non, excusez-moi, c'est la folie. Vous avez vu, hein, j'ai fait l'effort hein, et tout pour le capturer net, mais il arrive en shiny devant ma gueule, je suis obligé. Je suis... On va lui donner un surnom. On va lui donner un surnom, bien sûr qu'on va lui donner un surnom, monsieur. Donner un surnom. On va l'appeler Rayquaza... Rayquazak. Ray... Quoi... Zack, les frères. Ça rentre tout pile. Rayquaza qui a été transféré sur le PC. Tant mieux que t'aies pas chopé les autres. De ouf. De ouf. Oh, je suis trop heureux, sérieux. C'est lui, il se préservait. Il se préservait pour que je le chope en... Pour que je le chope en shiny. Ah non, une chance sur un milliard, là, ça a été Master Ball et rien d'autre. Hein. J'avais pas de chance. Hein. Ah oui, il faut que je save. Save. Hop. Ah oui, non, save. Oh la folie! Oh la folie, les gars! Voilà, on a save maintenant. Ah non, 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 c'est. Eh, vous avez vécu l'histoire là! On peut pas l'utiliser ici. Bon, on va aller le chercher après. On va aller à Pacifiville. Je suis pas encore allé, je suis à côté donc. C'est quoi la proba? C'est 1 sur 8000 et quel, je crois, la proba. Ah, let's go! Attends, mais ça m'a ramené en haut? C'est honteux, ça m'a ramené en haut! Allez, on se casse. Ça m'a ramené au-dessus, je suis mort. On va aller le chercher, là. À la place de Libégon, hein, c'est logiquement, non? Je pense que dans mon équipe, c'est à la place de Libégon. La VAR est formelle, la chatte est présente. La chatte est dantesque, frérot. Vol en haut, je suis encore jamais allé à Pacifiville. Attends, tu sais quoi? Je suis superstitieux, je save une deuxième fois. Voilà, on save une deuxième fois. Oh mon dieu, on va aller le chercher là dans le PC. Y'a Pierre à aller taper au site météor. Ouais, ouais, ouais. Après, là, on fait Kyogre et Groudon là. Fait vol direct. Mais les gars, je suis pas allé à Pacifiville encore donc je peux pas voler là-bas. Save émulateur. Je sais pas comment save émulateur. Mais save jeu, ça a toujours suffi jusque-là. Allez, on va le chercher. Hop. Il l'a chassé où? Il l'a trouvé au hasard. Bah en fait, si tu veux, j'essayais de capturer Rayquaza. Et en fait, je l'ai tué plusieurs fois. Et à un moment, j'ai réengagé, il était shiny. C'est la folie. Oh franchement, gros, j'ai eu de la chatte. Hein. Oh, j'ai eu de la chatte. Mais ça fait trop plaisir. Oh non, une dresseuse de merde. Allez, envoie-moi ton love disc à 2 balles, là. Hop. Allez, salam. Allez. Ah, je vais aller le chercher, là. Il faut qu'il soit dans l'équipe. Voilà, Pacifiville. Faut que l'équipe soit token. Une chance sur 8790, et ben voilà. Allez. On va le chercher, les amis. Non, merde, j'ai fait stockage. Gestion de stock. Déposer, on va déposer un tocard, on va déposer au Bali. On va déposer au Bali, dans la boîte 2. On va reprendre Camerup. On va bosser Libégon aussi, qui me sert à rien, pour... qui va me servir à rien. On va reprendre Camerupt, retirer, hop. Et là, on va déposer Libégon. Du coup, merci pour les services rendus, Libégon. Et il devrait être dans la boîte 3, si je dis pas de... Ah, il est là. J'ai eu peur, sa mère. Oh là là, les gars! Les gars! Retirez! J'ai fait 7 ou 8 essais, hein, maximum. J'ai même pas fait 35 essais. Hein. Oh la chatte que j'ai eue. Attendez.
Rayquaza. Mal poli de nature, il parle mal. Et le voilà. Et le voilà. Voilà la bébête. Voilà la bébête. Non, vraiment, j'ai reset moins de 10 fois. Hein. Franchement, j'ai reset moins de 10 fois. Hein. Vol, repos, vitesse extrême, colère. Bon, c'est un peu claqué, mais bon. Ah, franchement, c'est beau. Vraiment, c'est beau. Alors, attends, l'île Mirage, c'est où qu'on va voir l'île Mirage, là? Avec autant de chat, là, je suis obligé d'aller chercher l'île Mirage. Ça se trouve, elle est là, hein. Ah, non, je suis dans un carcan de chat, là. Ah, il y a le vieillard. Wesh, le vioc. Je ne vois pas l'île Mirage, ah, dommage. Bon, maintenant, it's Kyogre and Groudon time, hein. Ça va être Kyogre et Groudon à aller chercher. Mais ouais, j'ai eu de la chatte de ouf. Franchement, j'ai eu de la chatte de ouf. Mais le devant pour faire fight. Ah ouais, fallait le faire fight. First try, le shiny, non, 7-8 essais, 7-8 essais, les gars. Du coup, Rayquaza ici. Attends, je vous le remontre, hein, je vous remonte la bête. Non, il est beau. Il est beau. Je sais que t'avais une chance sur 8200, ouais, franchement, j'ai une chatte de ouf. J'ai une chatte de ouf. C'est où qu'on va... Attends, je vais prendre des balls là-bas. Va au maître des capacités. Ah ouais, peut-être que le maître des tocards, là, il peut m'apprendre quelque chose d'intéressant sur Rayquaza. On va voir. Joue au loto. Tout à l'heure, je vais jouer au loto, les gars. C'est ici, les balls, ou pas? Non, ça doit être à côté. Wesh, la zine. On va choper de l'hyperball, hein. On va en acheter... Hop là, c'est bon, on va en acheter le maximum que je peux. Fuck it, de toute façon j'ai déjà des guérisons et des rappels. N'oubliez pas le safari, ouais c'est vrai qu'il y a le safari aussi. Appelle ta meuf surtout, vous voulez que j'appelle ma meuf là? Des repousses, tant pis pour les repousses, c'est pas grave. Hop, hop, je peux accélérer au pire tu vois pour les repousses. On va où maintenant pour Kyogre et Groudon déjà? Attends, je vais apprendre des attaques au Rayquaza avant. Hop, 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 hop. Pour la chatte immense que j'ai eue. Appelle ton mec, Zach. Faut que j'appelle mon gars. J'ai RT le clip, s'il y en a qui veulent voir le clip. Allez. Rayquaza, Zach. Quelle attaque veux-tu lui enseigner? Alors, ouragan, grimace, pouvoir antique, dragon griffe, danse draco. Ah, là, il y a des trucs. Là, il y a des trucs lourds. Là, il y a des trucs lourds. Il y a quoi qui est intéressant là-dedans, là? Draco griffe, mix minimum. Danse draco griffe. Allez, on va commencer par draco griffe, je pense. On commence draco griffe et on voit après pour danse draco, parce que danse draco, ça a l'air d'être lourd. Dracogriffe à la place de quoi? À place de repos. Repos, on s'en bat les couilles pour commencer, non? Repos, on s'en branle. Repos, je pense que je m'en bats les couilles. Enlève colère. Ah ouais, colère, vous pensez c'est pas ouf? Vous pensez que colère c'est pas dingue? Ouais, vas-y, je vais têche repos, fuck repos, on s'en bat les couilles. C'est pour... On tèche repos pour commencer. On tèche repos pour démarrer, hop. Super. Et danse draco, je pense que ça peut être utile. Hein. Danse draco, je pense que ça peut être lourd. Colère, c'est fort ou c'est naze? Pensez que je garde colère à la... Parce que danse draco, ça peut être lourd, tu vois. Ça augmente la vitesse et l'attaque. Et après, j'envoie des gros coups de draco griffe, pa, comme ça. Ah ouais, ça rend confus en plus. C'est de la merde, colère, ça rend confus. Ça rend confus, la flemme. On va oublier colère. Je pense qu'on va oublier colère, on va prendre danse draco. C'est vrai que confus, c'est pour être confus toutes les deux secondes, c'est la flemme. Y'en a un, il a dit dans le stream, je suis allé manger, il a réussi à la hyperball. Dites-lui dans le chat. Pouvoir antique monte tous tes stacks. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai que pouvoir antique, ça monte toutes les stats. Pouvoir antique, c'est peut-être pas mieux.
Ou pouvoir antique à la place de vitesse extrême? Machouille c'est fort aussi. Ouais, Machouille j'ai déjà ailleurs. Ouais, c'est naze, pas très fort. Allez, ok, on oublie colère pour Dansdraco, c'est bon, hop, voilà, c'est bon, j'assume, hop, et on part comme ça. On va pas se casser plus les couilles que ça, hop, c'est bon. Hop, comme ça, vitesse extrême, vol, Dracogriffe et machin. Maintenant, vous allez me guider. Vous allez me guider, s'il vous plaît. Vous allez me guider pour me dire où est-ce que je vais choper Groudon et Kyogre, s'il vous plaît. Je me rappelle plus exactement où est-ce qu'il faut aller pour choper Groudon et Kyogre. Oh là là, le shiny, mon frère. Regardez, regardez là, hop! Fallait au centre météo. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille au centre météo. J'avais oublié. Allez, Symmetronel, c'est parti. Là, regardez, hop! Le petit Rayquaza shiny! Ah, le feu! Allez, c'est parti, on va choper Kyogre et Groudon. Et puis, qui sait, sur un malentendu, ils seront peut-être shiny. Ça, t'imagines? Oh. Faut aller parler au gars à l'étage, si je dis pas de bêtises. Trop de flots en noir, il a un flot dantesque en noir. J'ai étudié les conditions météo. Il en fait actuellement de fortes pluies sur le chenal 125. Enfin, quelque part dans cette zone. Allez hop, chenal 125, c'est pour Groudon pour commencer, si je dis pas de bêtises. Non, Kyogre, c'est pour Kyogre, pardon. On veut le trio shiny. T'imagines le trio shiny? Non, mais ce serait impossible. Je vais pas faire 8000 essais. Hein. Là, j'ai eu de la chatte dantesque, ça m'étonnerait que. Kyogre soit un truc. Hein. Chenal 125, c'est où Chenal 125 déjà? Faut que j'aille à Gatia. Chenal 125, c'est où cette horreur? 125, 126. C'est au-dessus, ok. T'as fait les Régis? Non, pas encore. Cheat pour avoir les deux autres shiny. Non, 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 non. J'ai eu de la chatte, mais c'est tout. Hein. Allez, c'est parti. Ah, ceux qui viennent d'arriver, vous avez manqué la ligue qu'on a fait. Et vous avez manqué Rayquaza Shiny. C'est pas mal, hein? Alors, c'est où qu'il y a ce petit con de. Ce petit. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Allez, un petit Dracogriffe juste pour l'effet. 100 triche. Bah, 100 triche, gros, fait en live! Franchement, en live, gros, donc c'est impossible de me dire triche, hein. J'étais en jeu, enfin, c'est de la pure chatte, de la pure chatte. Y a pas à tordre du cul pour chier droit, mais. En plus, à la base, moi, mon but, c'est pas de le choper en shiny, hein. Mon but, c'est juste de le choper tout court. Attention, il va avoir le petit effet de style. Regarde, regarde, ouh! Ah ouais, non, ça envoie des tartes là, avec Rayquaza Shiny, sérieux. Tu auras besoin d'Obali. Ah ouais, y a besoin de plonger? Ah, il faut plonger, ok, je vais aller chercher plongeur rapide alors. Excusez-moi, hop. Ah, j'ai oublié plonger, c'est vrai que j'aurais besoin d'Obali. Hop, hop, hop. On va têche Camerupt, j'en ai pas besoin tout de suite. Déplacer Pokémon. Mais je sais pas comment. Quand je fais déplacer, je sais pas comment déplacer correctement. On va poser Von, hein, on n'a pas besoin de lui pour l'instant. Là, je fais retirer. On va chercher Obali, qui lui a plongé. Hop. T'as fait le stock d'Hyperball? Ouais, j'ai fait le stock. Je me suis levé à Bourges, j'ai tout raté. Ah bah, il y en a, ils ont tout raté, ouais. Alors on va choper Kyogre là, c'est parti. Hop hop hop, allez salut. Désolé, hein, j'accélère un peu pour tous les Pokémon là ici de merde. Vu que j'ai pas de repousse. Après j'ai des super bons moves que j'ai pas encore utilisés. Bon, faut que j'aille les affronter, hein. Elle vient de fighter, connard. On est un Kazakh au passage, bah merci! Vous avez beaucoup suivi l'aventure Pokémon, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à Seb, hein. N'hésitez pas à Seb si vous avez un petit Prime qui traîne, ça fait chaud au cœur. Au chatard, au full time que je suis. Tiens, gros vitesse extrême pour le kiff.
Aïe 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 aïe. Maconheur va être envoyé. Pour Maconheur, on va envoyer quelqu'un d'autre. Pour le chantage Joël, là, on a besoin de. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'autre chose. C'est quoi le prochain Pokémon? On fera platine sûrement. Allez, chantage Joël, là, un gros coup de psycho dans sa mère. Prends un Terral et un Drabi, on verra. Ouais, je vais aller chercher les fossiles aussi, t'inquiète pas. Ça change de Radio Libre. Radio Libre, c'est tous les dimanches, monsieur. D'ailleurs, on est où? Quel jour? Aujourd'hui, on est jeudi. Oh, on est jeudi. On est jeudi, officiellement. Ah, let's go. Ah, c'est... Mais attends, attends, attends. Il est juste là. Il est juste là, le trou, pour aller le chercher, non? Une grande perle, let's go, ça va ramener des sous. On va affronter le gars, allez, viens. Je viens de taper. Oh, le truc de flexeur, sérieux. Oh, le flexeur! Le Rayquaza, ce Pokémon de flex. Rempli de flex. On est quel jour déjà, le résumé de mon confinement? Ah, bah, le confinement, gros. On est tous perdus à ce niveau-là, frérot. Allez, on va envoyer Olas. Allez, c'est parti. Il y aura Madiba ce dimanche dans Radio Street. Ouais, il y aura Madiba ce dimanche, les frérots, pour ceux qui demandent. Il y a Madiba qui revient. Qui revient faire un tour. Merde, j'ai envoyé Plénitude, je suis un connard. Je voulais envoyer Tonnerre. Oh, le Ténèbre qui va faire mal. Ah non, ça va. Je m'attendais à pire. Sur Platine, il faudrait adopter ton double screen, ton overlay pour le double screen de la... Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est vrai que j'aurais l'air un peu con. On démarrera l'aventure, on démarrera l'aventure. Je pense Platine, on démarre demain. Je pense aujourd'hui, on va faire un peu Kyogre, Groudon, peut-être un petit tour à la zone de combat, tu vois, un coup de fossile, des conneries comme ça. Et une fois que c'est fait, bah demain, je pense qu'on démarre Platine. Mais dans le titre, le Shiny Rayquaza. C'est vrai qu'il faut que je change le... faut que je change le titre. Là, 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 là. Il me semble qu'il y a une entrée de grotte à gauche. Ouais, voilà, c'est ici. Normalement, ça devrait être là si je dis pas de conneries. Hop. Ça va avoir des Nosferaptor. Let's go! Oh, non! J'ai pas eu le temps de save! Oh, je suis affreux, j'ai pas save, j'ai pas save. Je suis trop con. J'ai pas save! Et je vais le baiser. Mais je pensais pas, je pensais que. Pas que t'arrivais devant, il t'enclenchait direct, frère. Je pensais pas que t'arrivais devant lui, il t'enclenchait direct, gros. Non, c'est pas grave. Save émulateur, non, tant pis, on retournera en arrière s'il faut. Ok. Que des repos! Que des repos! Moi je save que dans le jeu, je save pas dans la ROM. Tiens, on va profiter, on va mettre Danse Draco. Fume le pas, bon, on va essayer, hein. Danse Draco. Vitesse et attaque. Ça va faire mal. Limite, t'as envie d'en envoyer deux dans ce Draco. Vas-y, on va en envoyer deux. Ils ont tous repos, FC repos. C'est FC CGT, frère. Ils veulent tous dormir. Ils cassent tous les couilles. C'est horrible. Alors, on va en envoyer deux. Hop, là, ça va faire mal. Un petit. Tu vas l'OS. Je pense pas que je l'OS avec un Draco Griffe, là. Si je l'OS, bah on ferme. Moi, bon, je l'ai pas OS. Ça va. Ça a rien fait, frère. Après, Dracogriff, c'est peut-être parce que c'est de l'attaque spéciale, auquel cas. Ça va. On a le stock d'Hyper Ball. Oh! Oh, il est low, sa mère! Repos! C'est le retour! Itachi King, merci à ton RCEP, frérot! Bienvenue Dafai, merci du soutien. Le retour du repos! Trop chiant! Bah, j'avoue qu'un crit, ça peut faire super mal. C'est le Thiago Mendes des Pokémon, gros. C'est un gros vitesse extrême, peut-être que.
Après, si je le one-shot, on retournera en arrière. Oh! Bon, ça, je l'ai pas one-shot, c'est bien. Là, je trouve c'est idéal. C'est idéal, ok. Sac. Une grosse hyperbole. Là, là, il est un peu low. Un peu low plus endormi. Ça, ça peut le faire. Allez. Pff, ça a même pas gigoté une fois, frère. Ça a même pas gigoté. Oh, une filet ball. Pas con. J'ai une petite filet ball. Filet ball. Allez, filet ball. Allez. Let's go! Let's go! Et c'est parti, Kyogre! Ça fait plaisir! Kyogre, on l'appelle comment? On l'appelle comment? J'ai envie de l'appeler CGT, mais c'est... La vie de ma mère de l'appeler CGT! Allez! CGT a été transformé, allez, va dormir dans le PC maintenant! Va dormir dans le PC, frérot! Allez, on a save, super! Dresseur of all time. Hey, je suis un dresseur incroyable. Recommence, s'il est pas shiny. Hey, les gars. Je veux bien, tu vois, je vous écoute, tout ça, machin. La vie de ma mère, vous me ferez pas faire 8000 fois Kyogre ou Groudon pour l'avoir shiny. Rien à foutre. Shiny, pas shiny, bas les couilles. C'est mort. Kamétogre. Non, c'est pas gentil. CGT, ça me va. C'est le roi des ronfleurs. Allez. Maintenant, c'est au tour de Groudon. Faut retourner, du coup, à la route, là. Faut retourner à la route, ça se passe comment? Faut retourner là-bas. Je veux dire, à l'autre endroit. Au labo. Mais quel labo? Attends, juste... Je vais juste changer le titre. Changer le titre du stream en très rapide. En rapide. Rayquaza Shiny Kyogre autour de Groudon. Voilà. On a changé le titre du stream. Tac. Ok. Faut que j'aille au même endroit? Ouais, je vais y aller. Tac, Symmetronel, du coup, on retourne. C'est parti. Allez, on va essayer le rapido. Ah ouais, là, on fait tous. Tu nous régales, Zach. C'est vous me régalez. Je vous remercie, vous êtes 1000 sur le stream, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Je suis content, là. À une prochaine fois, peut-être. Attends, on va aller voir le frérot Kyogre. On va déposer Obali. Après là, du coup, j'ai déjà Kaimorph, tu vois. Vous pensez c'est Kaimorph ou Kyogre? Après, il y a moyen d'aller taper la ligue une première fois avec Groudon, Kyogre, Rayquaza et tout. Hein. Bon, après, ça risque d'être facile, mais on va leur péter la bouche un peu, tu vois. Groudon en shiny, non, c'est mort. Je ferai pas 8000 essais. J'aurais sans doute pas la même chat. Alors, le frérot CGT, il a quoi? Hydrocanon, glaciation, repos, Damoclès. Ouais, c'est bien. C'est bien. On ira aussi voir le maître du prank avec des écailles cœur. La ligue sera plus forte, bah, ça me va. On ira voir le maître du prank aussi pour leur apprendre des attaques. Je sais pas si je peux choper une autre écaille cœur, mais on ira voir ça. C'est bon, faut-il que je repose, cette attaque horrible. T'as cheaté pour Rayquaza Shiny. Ouais, demande au chat. Le chat, j'ai cheaté. Hein. Vous avez vu quand j'ai activé le cheat à un moment, bam, Rayquaza est sorti Shiny. Non, ça va, je rigole. Non, j'ai pas cheaté, frérot, pour te répondre. On va prendre les Régis après. Vas-y, on ira prendre les Régis, mais il va falloir échoper Reliquante. Et là, ça me donne envie de mettre les deux doigts dans. Attends, j'ai pas lu. J'ai tué Condition Météorique dans la région. Nous observons actuellement une sécheresse sur la route 114. Ah, ok, on va aller sur route 114. Je suis un hacker. Je suis un gros hacker. C'est où la route 114?
Il a cheat, bien sûr que j'ai cheat. Manquerait plus que je sois honnête, hein. Route 118, 117, 116, 104, 115, 114, ok. Bon, bah, je vais partir d'OTK, je suppose. Il a installé OP Time, exactement. Frère, j'ai mis une semaine déjà à installer une ROM Station, toi tu veux que j'installe un cheat. Je suppose que c'est là, hein. Oups. Attends, est-ce que je vais au bon endroit là au moins ou je suis complètement du père? Ouais, ah ouais, si. On est bientôt. Ok. Wesh la street. Après, il y a une grotte là. C'est dans la grotte? Ah, je l'ai raté. Remonte à rentrer l'entrée. Ok, my bad. On remonte. Where is the entry? The entrance. C'est où? C'est en haut là? Ah! Effectivement. Grotte Terra. Alors je sauvegarde ici. Au moins c'est fait. Et on est bien. Ah, la petite filet ball là, elle a clutché de ouf sur avant. Oh merde, je suis un con. Hop, on va y aller à pied. Ok, le gros grou. On va sauvegarder ici. J'ai envie de lui envoyer un gros coup de surf, mais je suis pas sûr que ce soit une tactique qui soit très efficace, donc on va continuer. T'as une schneck de ouf, ouais je sais, franchement je sais que j'ai eu de la chatte. Allez c'est parti. Enfin Groudon il en impose, hein. Je trouve qu'il en impose vraiment beaucoup plus que Kyogre. Genre tu le vois, t'es là, ok. Ça c'est du Pokémon ça tu vois. On va lui envoyer un coup de vitesse extrême pour commencer. Groudon le boss, il fait trop mal. Et Groudon c'est un gros Pokémon de Rangel comme le gars il a dit dans le chat. Lui il a pas repos. Mais merde! Pourquoi quand je dis Groudon il a pas repos, sa première attaque c'est repos, c'est bon! Ah oh, vous foutez de ma gueule là! C'est horrible! C'est horrible, je suis là, ouais, alpha mal, trop bien, Groudon, lourd, regardez, lui il a pas... La merde! J'ai trop la haine! Putain, frère, ça va l'envoyer dans le PC, ça va l'appeler CGT2. Même les alphas ont besoin de repos. Ouais, mais pas en attaque, tu vois ce que je veux dire? Oula. J'ai fait mal, là. Car on va envoyer une hyper ball, tu vois, un peu low, X, sommeil, ça peut-être le faire, tu vois, c'est un malentendu. T'as sauvegardé? Ouais, j'ai sauvegardé. Y'a pas une meilleure ball là, non? Ouais, non. Ouais, une hyper ball, hein. Allez, on essaye. Ça va pas marcher. Après, je pense un petit vol, ça va. Il réutilise repos dans la foulée, mon dieu. Ils sont insupportables, ces Pokémon de merde, vraiment. Honor Ball Imo. On envoie une petite boule de l'honneur. C'est... Vraiment, Groudon, ça va l'appeler... Comme quelqu'un l'a dit dans le chat, ça va l'appeler Uneuf. Ça va l'appeler Luneuf. Pas Vol, il est type sol. Ah ouais, c'est vrai. Ça... Vol, ça risque de lui casser les dents. Oh mon dieu. Ok. Oh, vitesse extrême, je pense, ça peut-être éviter de le tuer, je sais pas. Vas-y, on retente une hyper ball. Fuck it. J'ai trop peur de le dégonder, là. Allez. Oh, dommage. Ça l'a fait un petit coup. Ok, il redort. Vas-y, on va retenter une hyper ball. Là, j'ai trop peur de le dégonder. Là, je pense que je le dégonde, là. Hyper ball. Dommage. Ouais, faudrait que je switch de Pokémon, à la rigueur. Il va remettre repos, ce chien. Oh là 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 là. Oh, il va m'envoyer la sauce. Oh, il va m'envoyer une sauce forte. Là, je pense que je le tue dans les deux, en fait. Là, je pense... Bon, alors, je prends le risque. Une petite extrême. Une petite vitesse extrême. Une petite vitesse extrême, je prends le risque. Allez, fuck it. Allez, tu crèves pas, frérot. Tu tankes.
Let's go. Super. Là, il va sûrement utiliser repos, mais il est loup. Il est loup. Il est loup, j'ai dit. Il est loup. On dirait un blédard. Il est loup. Allez, une petite hyperbole. Il s'en bat les couilles. Il va utiliser... Oh, abîme. Mais ça marche pas, abîme, sur moi, monsieur. Voilà, c'est bien. On utilise une honor ball, la ball de l'honneur. On va voir si c'est un gars honorable. Si c'est un gars honorable, il ne sera pas appelé une F. Si c'est un gars qui ne possède pas d'honneur... S'en bat les couilles. Et voilà, c'est reparti pour dormir. Non, c'est pas grave. Il a aucun honneur, ce chien. On va renvoyer un vitesse extrême et après un dracogriffe, ça devrait éviter de le dégonde. Voilà, ça fait pas trop mal, ça va, vitesse extrême, on voit... Là, j'espère ne pas taper un crit si je tape pas de crit de... Là, normalement, si je rajoute un dracogriffe, il y a moyen d'avoir un petit tour où il est très low et endormi. Ça peut-être, tu vois... Il y a peut-être moyen de moyenner, tu vois. Stop. Let's go. Parfait. Il dort encore. Là, ça va être une hyperbole avec sommeil X. Allez. Hyperbole avec sommeil X très low. Là, il vient de confiner dans mon hyperbole, là. Mais même pas un! Même pas un petit switch comme ça, tu vois, histoire de taper un peu de... Oh là, le déflagration qui va me casser la gueule. Ah non, ça va. Bon, c'est très nul. Attends, quelques tours, utilise Chrono Ball. Ouais, je sais. Bah, moi, on va envoyer de la Pokéball. On envoie une grosse Pokéball. Ah, j'ai que des Super Balls, malheureusement. Allez, c'est parti. Here we go. Non. J'y ai cru. Mais il veut utiliser des abîmes. C'est un Camel Slip, ce putain de Groudon. Il est trop con. Oh, la clim! Oh, j'ai été climatisé, là. J'ai 32 ans. Il y en a dans le chat, il a dit, envoie-lui une Red Bull. Ça m'a fait rire. Oh! Let's go! Les données de Groudon! On donne un surnom, bien sûr. Allez, une F, va dans le PC maintenant. Let's go, 950 kilos, frère. 950 kilos, il est tout lourd, tout lent. Et 2-3 légendaires, eh oui, c'est parti. Attends, faut sauvegarder. Cramel, mais pourquoi faut que j'appelle Cramel? C'est pas gentil, laissez Camel tranquille. Eh, vous, à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui est lourd, que ce soit dans Pokémon, dans ce que vous voulez, appelle-le Cramel, appelle-le Camel. C'est pas gentil. Eh, oh, le frérot Camel, laissez-le tranquille. Oh, appelle-le Cramel. Vous êtes horrible. Allez. Allez, on va aller le chercher à la place du coup de Camerupt. Hein. Parce qu'il a autant de flots que Camel. Oui, bande de menteurs. On ne vous croit pas. Menti, là. On le prend à la place de qui? La Groudance, là. On le prend à la place de Bibi, non? À la place de Galeking. Galeking, qui est mon seul acier. Go chercher le reliquante. Le reliquante, il va me donner envie de mourir. À la place de Bibi, je pense. Après, j'ai Kaimorse. C'est vrai que ça fait un peu déjà... Ça stack un peu de l'eau et de la glace, tu vois, mais... Mais j'aime trop Kaimorse. Franchement, Kaimorse, c'est mon gars sûr. Donc ça me fait du mal de le lâcher. Franchement, ça me fait du mal. Ça me fait du mal de lâcher Kaimorse. Non? Franchement, ça... Kaimorse out. Putain, ça me fait du mal, sérieux. Kaimorse, c'est mon gars sûr de ouf. L'HCFDP de Kaimorse, on parle. Parlez bien. De mon frérot Kaimorse.
Après, c'est vrai que ça fait deux hauts quand même. Allez, fuck it. Bibi, dans le PC, et on va aller chercher le frérot UNEF. Hop là. Garde Kaimors, ouais, j'ai décidé. Le cœur, la raison, tout ça, tout ça. J'aime trop Kaimors, mon vrai gars sûr. Bon, du coup, on fait quoi maintenant? Régistel, Régirock, mes couilles? Ou un truc comme ça? Ouais? Ok, et c'est où qu'on va choper un reliquante? Latios? Ah ouais, c'est où qu'on va choper Latios, au fait? Vas-y, vas-y, reliquante. Reliquante, on va le choper où, déjà? T'as fini l'histoire? Ouais, ouais. C'est sous l'eau, reliquante? Oh, il faut plonger, merde. Il a abandonné Galeking. En fait, si vous voulez, j'aimerais bien, tu vois, choper les trois légendaires qui me manquent et aller faire la ligue avec eux, tu vois. Route sans... Genre, c'est où? C'est quel chenal où il faut que j'aille pour Waylord et tout? Ah merde, j'ai juste soigné, là, je suis un con. Alors, on va poser un connard. On va choper... on va poser Olas, si on n'a pas besoin de lui pour l'instant. On reviendra le chercher après. Reliquante, Chanel juste en dessous de la ville où tu es. Ok, bon bah ça va alors. Allez, viens là petit. On va choper Reliquante. Alors pour l'affaiblir, on va peut-être éviter de mettre directement CGT et compagnie. Je pense que si je mets Kaimors avec un coup de cascade, ça, vu que c'est faible contre lui, ça évitera de le tuer. Dans les herbes juste à côté où tu as fait plonger pour monter à Tanelopolis, je sais pas quoi. Ok. Ok, ok. Bon, on va y aller tout de suite, hein. On va y aller tout de suite. Là là là, ok. Pokénav, carte de machin. On va aller à Tanelopolis, ok, c'est en dessous là. Il faut aussi un Waylord. Ouais, on n'oublie pas, on n'oublie pas. On prendra le Waylord, exactement. Ton Junko a pas appris faux charge, je lui ai pas appris faux charge, non. Allez, ça dégage, ça. Allez, c'est parti pour la reliquante partie, les gars. Je vais avoir envie de me flinguer. Hein. C'est là-dedans? On est au bon endroit, là, c'est bon? Parce que dans ce cas-là, je vais un peu accélérer. Hein. Je vais faire ça. Hop. Ok. Ok, bon, bah, si c'est là-dedans, alors... Ok, un Lupio? J'ai pas de Lupio. On va lui envoyer une hyperbole comme ça, là. Les 5% de chance, ouais, ouais, bah je vais faire en accéléré, hein, je vous le dis. Oh, le bâtard. On va lui renvoyer une petite hyperbole. J'ai envie d'avoir un Lupio. Moi, je suis là, je fais le Pokédex, mesdames et messieurs. Oh, le chien. Oh, il m'envoie Ultrason, la flemme, allez, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Ah, voilà, niveau 30, il va peut-être pas mourir si je lui fais cascade. Envoie une filet-ball, là. Oui, 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 vous avez raison. Ah bah, il est mort. Oh, le coq qui perle de merde. Ah là là, malheureusement on va devoir insister, hein. Oh, let's go. Il est là. Allez, il est là. Tu sais quoi, on va l'affaiblir avec Obali carrément, gros. On va l'affaiblir avec Obali, frère, niveau 30. Baillement. Oh, il va me faire dormir, le chien. Full moule cet après-midi. Ah non, j'ai attaqué plongée, je suis trop con. Pourquoi j'ai attaqué plongée, je suis trop bête. Obali va lui faire quelques... Oh, Obali s'endort, sa mère. Plaquage. Je sais qu'avec plaquage, je pourrais normalement... Oh, c'est super efficace sur Obali, merde. Allez, Obali, réveille-toi, mets-lui un coup de plaquage, ça peut... Je crois que plaquage, ça peut le paralyser, peut-être. Oh, paralyse-le. Let's go! Allez, il est paralysé, c'est bien. C'est bien, c'est déjà ça. C'est lourd. Par contre, le reste, c'est que des attaques de merde. Hein. Je sais pas, glace. Bon, ça l'affaiblit un tout petit peu. Là, c'est vraiment un combat d'infirme. Hein. Try Scuba Ball, ouais, ouais, j'ai des filets. J'ai des filets, mais là c'est bien, il est paralysé, c'est cool. C'est super, il a attaqué, on va essayer de la baisser encore. Pour des trois golems, le reliquant exact.
fait une attaque glaçante, ce que je fais depuis tout à l'heure. Allez, faut pas qu'il me tue. Il me tue pas, il me tue pas, il me tue pas. Ah, il s'est blessé un peu. Il va passer dans le jaune. Est-ce qu'il passe dans le jaune? Bien sûr, il utilise un autre Pokémon. En tout cas, j'ai que des Pokémon trop forts, quoi. Genre là, je le one-shot avec n'importe qui, en fait. On va envoyer Kaimorse, hein. Et on va envoyer des balls. À un moment, ça suffira pour rentrer, hein. Filet ball. Ou scuba ball. Il est sous-marin, lui. Petite scuba ball. Il s'en bat les couilles, hein. Ça lui fait ni chaud ni froid, hein. Wouah, c'est super efficace. Oh, il fait mal! Il m'a tapé un petit crit, mine de rien. On va continuer à envoyer des scuba balls, hein. Je pense pas qu'il me dégondera toute mon équipe, quand même. Allez, c'est parti. Here we go! Let's go! On a le reliquante, mesdames et messieurs. Oh, ça va, ça m'a pris moins de 10 minutes, hein. Du coup, on va remonter ici. Allez, remonte, cousin. Maintenant, Wailord. Wailord, ça se chope où, les gars? Vous allez m'aider. Juste en objet rare, on va mettre la méga canne. Non, pas ça. Enregistrer. Se pêche avec la méga canne, trouva la Agalcia dans une maison. Ouais, j'ai la méga canne. Sud-est, genre là, je vais vous montrer, juste vous montrer où je suis, et vous me dites si je suis dans la bonne zone ou pas. Carte de Owen. Je suis dans le bon endroit là, ou voudrait mieux que j'aille quelque part ailleurs? Parce que là, je suis bien. Là, il y a des Wailords là? Ouais, il y a des Wailords là? Sinon, tu fais évoluer des Wellmer. Ouais, Wellmer, ça évolue quand? Tu vas voir, hein. C'est le petit problème de ça, c'est que je peux pas accélérer la pêche. Ah merde, ça a mordu là par exemple. Ça, je peux essayer d'accélérer un petit peu. Ah, y a rien. Niveau 40, ouais, la flemme. Je choperai jamais un Wellmer niveau 38 ou quoi. Et j'ai pas envie de tricher avec le temps, je préfère choper un Wailord en vrai. À droite de Pacifiville, vas-y, on va aller ailleurs. On va bouger un peu. Je suppose que si je suis dans les eaux, ça doit aussi se choper là. T'as des super bonbons, ouais, mais j'ai 3 super bonbons, tu vois, j'en ai pas 30. C'est 1% de chance à la canne. Quoi? C'est tout? Non! Il est reparti, fils de pute. Horrible. Wellmer, je peux en capturer où, hein, Wellmer, à la rigueur, s'il faut juste les faire évoluer avec quelques bonbons, parce que je vois que vous dites qu'il y en a que je peux choper niveau 37, ou en tout cas ça. Merde, c'est reparti, j'étais pas concentré, putain. Chenal 129. Vas-y, je vais regarder dans le Pokédex. C'est où qu'on chope un horrible Wellmer? Ce reliquant, on a eu de la chatte. Reliquant, c'était limite le plus facile, en fait. Wellmer l'affreux. Ah, ça va être à partir de là. Ok. Wellmer. La 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 la. Wellmer. Chenal 129 à la méga canne, ok. On va aller Chenal 129, on va regarder où est-ce que c'est. Pokénaz, ok, carte de Owen, Chenal 126, je suis 129, par là. Un peu avant Eternara? Ok, là-dedans, ok. On va passer par Eternara alors, on va faire vol à Eternara, on va faire demi-tour après. Non, mais je vais pas refaire toute la grotte, je suis con. On va faire vol jusqu'à Pacifiville. Ouais. Ok, on va choper peut-être un Wellmer haut niveau, et s'il est niveau 37, un truc comme ça, ou 35, on va aller l'XP, ce sera plus rapide. C'est vrai que Wellmer, si c'est 1% de chance comme vous dites, on va dire que je risque de tirer la gueule un moment. Hein. Oh non, putain de dresseur de merde.
T'as les deux. T'as les deux côtés dans le garage, je peux voler les deux côtés. Ah ouais? Ah, je savais pas ça par exemple. Ça, ça les gars, je savais pas. Allez, salut. Désolé, hein, je passe en rapide, mais ce genre de fight ne nous intéresse pas. Ok, chenal 130. Hop. Et Welmer, je le chope en juste comme ça, là, en surfant, ou alors je dois aussi pêcher. Parce que si je dois pêcher, putain, la pêche, attention, hein, je suis un handicapé. Hein. Whaler, Welmer, Megacan. Oh, bon. Pêche, ok, d'accord. Attends, je casse la gueule des deux, là. Surf sur les deux ahuris, Gracogriffe sur lui à gauche, super. Allez, Salam. Oh, il m'a paralysé, le chien. C'est bon, salut. Hop là, ça y est. Du coup, on est chenal 129 ou pas? Attends, j'ai juste si je suis chenal 129. Ouais, je crois qu'on y est. Ouais, on est chenal 129. Bah écoute, c'est parti, hein. It's time! Ouais, j'appuie deux fois. Trois fois. Il veut pas remonter! Let's go. Faut spam les A quand ça fait oh, ça meurt ou pas? Oh, let's go! Ah, faut spam les A. Putain, 31. 31, c'est pas suffisant. 9 niveaux, c'est trop. Ah, faut que spam les A. Ok, d'accord, je savais pas. Cascade. Vas-y, on va lui mettre un coup de cascade. Mais 31, c'est pas ouf. Ouf. Oh, la chatte. Ok, on va le prendre quand même. Hein, on va le prendre, au moins c'est fait. Mais 9 niveaux, c'est trop. 9 niveaux, c'est trop. On va le prendre juste pour la forme. Mais 9 niveaux, c'est beaucoup trop. Super bonbon. Ouais, je sais, mais justement. Genre, faudrait que je chope... faudrait que je le chope niveau genre 37 ou 38, tu vois. Si je chope niveau 37-38, là, je lui envoie 3 super bonbons dans le bec et c'est bon, tu vois. Niveau... Genre, là, si je rajoute 3 super bonbons, les gars, il sera niveau 34. C'est naze. Sinon, ouais, je peux l'XP à la fin de la route victoire, mais bon. Merde. Merde. Ah! Je suis pas assez réactif. Ah non, mais j'ai appuyé là! Oh, j'ai envie de crever. Je n'accélère plus, c'est bon. Mais là, j'ai spam par exemple! Mais j'ai spam! Faut appuyer qu'une fois en fait. Une fois. Une, deux fois. Trois fois. Mais quand je... Ah, je dois pas spam. Mais fuck le chat. C'est eux qui m'ont dit ça. Après, faut spam. On me l'a dit avant. Fuck les menteurs qui m'ont dit ça. Let's go. Justement, faut pas... Ok, tant mieux. Oh, un gros Welmer. Let's go. 28, oui. Bon, allez. Tèche ta mère, toi. C'est bon, je spam pas. Rien. J'accélère juste un tout petit peu les premiers points au début là. Hop, ok, y'a rien. On va changer de case. On va se mettre là. Rien. Bon là ça risque de prendre. Eh, ça va être horrible. Oh merde, ça a mordu. Ouais, faut que j'évite. Voilà comme ça. Faut que j'accélère de manière très brève. Hop. Ça mord, super. Niveau 31, c'est le meilleur. Bah, on verra. Hein. Oh, un Sharpedo. Bah, tiens, on va le capturer. On va lui envoyer un petit coup de cascade. Avec un peu de chance, je le one-shot pas. Après, le 31, je l'ai attrapé. Hein. Tu réagis comme si je l'avais pas attrapé. Bon, tant pis, je le one-shot. C'est pas très grave. Allez. Ok, ça mord pas. C'est entre niveau 20 et 45, d'accord. Bah, tant mieux. De toute façon, au pire, je l'ai capturé, le 31, il est là, au pire, ça me casse les couilles dans 20 minutes. Ah merde, j'ai pas été réactif.
Tu as chopé le Pokémon que Pierre te laisse dans sa maison? Non, pas encore. J'irai le chercher après. Là, c'est Régis, Régistel, Régiroc. Y'a rien! Eh ben. Allez, remonte la bête là! 4 fois! 5 fois. Ça a intérêt d'être un Welmer énervé, hein! C'est déjà un Welmer. Pour le dérangement. Pour le dérangement. Val XP, mec, il est niveau 31. Laissez-moi pêcher tranquillement. Ça se trouve, je peux choper mieux. Laissez-moi faire les choses en bonne et due forme. Allez. Allez. Let's go. Tout, 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 tout. 32. Et voilà, on a gagné un niveau. Un niveau, vous voyez? Allez, avec un peu de chance, le one-shot pas. Let's go. Un niveau. Allez, filet ball. Tu es relou. Bah va te faire enculer. Voilà, c'est à peu près c'est ma réponse en bonne. Va te faire enculer si t'es pas content un peu. Oh, le mec se plaint que j'essaye de bien jouer, de capturer un gars avec un niveau sympa et pas juste l'XP comme un gros gogol. S'il vous plaît. Pire, t'es pas content, tu pars du stream. Oh, dommage. Laissez-moi pêcher au calme. On va pêcher à Algatia. Et Algatia, c'est pas mal, non? Enfin, ici, c'est pas mal, non? Il a pris la confiance, hein, K-Viewer. Non, 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 c'est pas vrai. Demande aux gens hier qui étaient là sur le stream, quand vous étiez pas là, hein, K-Viewer, et qu'on était dans l'épave. Demande-leur comment ça s'est passé. Et ils te diront si j'ai pris la confiance. Ils te diront, les gens d'hier. Ils te le diront. 35! Voilà! 35! Allez. Pas de coup critique, pas de coup critique, pas de coup de critique. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Allez, brume, salut. Petite filet ball pour monsieur. Ouais, franchement, on est bien. La poubelle devant le gros, seuls les vrais s'en rappellent. Seuls les vrais se rappellent de la poubelle devant le gros. Ok, super. Ok. Je tente un ou deux derniers pour voir si je peux avoir encore mieux. Si j'ai pas mieux, j'ai plus qu'à deux niveaux. Je lui donne trois super bonbons, j'ai que deux niveaux à lui monter. On ira à la fin de la route victoire et on fera ça. Ok. Un ou deux et puis voilà. Mec, à cause de toi, j'ai raté ma classe virtuelle, c'est à cause de toi. Pourquoi tu cheats pas? Parce que je sais pas, j'ai envie de faire les choses dans le bon et du forme. Jusque là, j'ai zéro cheaté de toute l'aventure pour ceux qui l'ont suivi. Ça fait une semaine, je la fais tous les jours et tout. Je vais pas cheater à la fin, tu vois. Fais la pension pour l'XP. Ouais, mais non, mais la pension, c'est un peu du cheat aussi, tu vois. Je préfère aller à l'XP à la fin. Jamais cheaté. On l'a pas cheaté, frère. Merde, désolé, j'étais pas réactif, je lisais le chat. Ah, niveau 35, il m'a mis bien. Allez. Bon, c'est un charpédo de merde. On va lui envoyer laser glace. Oh, bah, ça la one shot. Bon, bah, tant pis. Refais la ligue avec le multi-exp sur Welmer. Non, mais j'aurais même pas besoin de faire toute la ligue. Deux niveaux, c'est rien. J'irai faire comme hier. Seuls les vrais s'en rappellent, ça. Il ira faire un génocide d'Ariyama dans la route victoire, et puis c'est tout, hein.
D'où? D'où? Oh, bah c'est du Sharped encore. Sharped de merde. Cascade, ça a le one-shot ou pas? Ah bon, ça fait que de le one-shot. Miskin, les Ariyama. Hier, les Ariyama, ça a fait une pile de corps d'Ariyama dans la roue de victoire. C'était très drôle. Allez, donnez-moi du Wailers. Du Wailers, du Wailmer. Ok. Niveau combien? 32. Allez, vas-y, c'est pas grave. On va aller à Eternara, là, tout de suite. Merci. Donc on a déjà Reliquant. Là on a Wellmer niveau 35, c'est lourd. On va Tej au Bali parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop, tac, super. Et là on va choper le gros Wellmer horrible. Voilà le niveau 35. Tac, tac, tac. On se casse. Et on va lui donner le multi-exp. Il a besoin que deux niveaux, après j'ai trois super bonbons, je lui donnerai les trois. Et on passera à autre chose tranquillement. On va mettre Kaimors en premier, ça me dérange pas. Multi-ex à la ligue. Non, mais toute la ligue, c'est un peu long, tu vois. La ligue, en fait, je me la réserve pour après. Pour être parfaitement sérieux, honnête, je me la réserve pour après. Je la réserve pour après, pourquoi? Parce que j'ai envie de la faire avec tous les légendaires, là. C'est pour ça, là, je vais choper tous les légendaires en rapide, comme ça. Derrière, je vous fais une ligue full légendaire, tu vois. On a cuit, c'est de la merde, ça donne pas d'XP. Hop. Déplacer dans le PC, c'est de la merde, laissez-moi tranquille. Hop, vous voyez, ça va vite, hein. Wellmer, là, il a déjà gagné pas mal d'XP, il va être quasiment niveau 36 dans un instant. Hop, super. Allez, Wellmer, le niveau 36, s'il te plaît. Wesh, Wellmer, il lui faut combien d'XP, wesh? Faut gagner une fois la ligue, bah j'ai déjà gagné la ligue, monsieur. Oh, le blizzard qui passe pas. Oh, l'onde folie qui casse les couilles. C'est bon, salam. Mais attends, mais il est toujours pas niveau 36, il faut combien d'XP à ce gros sac, là? Ok, ok, il va y en manquer un seul. Un gros ramboum. Oh là, niveau 36, Wellmer. Allez, road to niveau 37. Hop. Salam. Ariyama! Viens là, Ariyama, on va te dire les choses. Désolé, hein, je le fais en super accéléré, c'est histoire vraiment que ça, qu'on passe vite à autre chose. Hop. C'est peut-être pas le plus sexy à voir. T'as plus d'Ariyama, les Ariyama, je les ai trop exterminés, ces chiens. Hop. Wouhou. Gros surf dans sa mère. Mais même Kaimor, il va monter niveau 56, gros. Je peux level up de lui-même, ils sont presque tous faibles au petit pot. Non, mais ouais, mais ils ont 5 levels de plus. Wellmer, niveau 37, ouhou. Tente d'apprendre repos, la vie de ma mère, je lui apprends pas repos, rien à foutre. Ne serait-ce que pour le principe. Et là, maintenant, super bombe. Voilà, on en a 3. C'est du gain de temps, là. C'est pas de la triche, monsieur. L'accélération ne fait pas partie de la triche. Ah, c'est bon, on a fini. Ouah, les gars! Truc de ouf! Hey, Wailord! C'est quoi mon but? C'est d'aller choper les trois autres légendaires qui manquent. Régistel, Régirock et Régigas, je crois. Je crois qu'il m'en manque 4. 3, pardon. Et si j'ai les 3, eh ben je vais faire une... Je vais aller faire la ligue, mais qu'avec mes légendaires, en fait. Alors, déposer. On va déposer un connard du style... Tiens, Yasko, j'ai pas besoin de toi tout de suite. On va aller chercher Reliquant. On a chopé, hein, déjà. Ils sont niveau 40, les golems. Ah ouais, merde. Niveau 40, c'est un peu faiblard, quand même.
Bon, on fera peut-être... Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Alors, on fonce où? C'est Wayland premier, Relicante deuxième ou l'inverse? Et je dois aller où? Donc, concrètement, là, il me faut où est-ce que je vais et quel est le bon ordre. Et pendant que vous me dites ça, je vais me chercher une banane. Ouais, la street. Let's go. Alors, il me faut tunnel également. Il me faut tunnel. Ouais, s'il faut tunnel, j'ai plus tunnel. Allez, c'est parti. Donc, vous m'avez dit dans le chat qu'il faut que j'aille où? Personne m'a répondu dans le chat, je suis trop triste. Personne m'a dit où est-ce que je dois aller. Où est-ce que je dois choper tunnel. On va aller chez celui qui fait oublier des trucs là. Faut que je réfléchisse, attends. Je mange petite salade de riz, désolé. Va à la maison de tunnel à côté de Tekia. Hop, OTK, c'est parti. Ok, je vais utiliser une écaille cœur pour apprendre le tunnel à un petit connard. Et pas à mon libégon, parce que mon libégon il a séisme. Donc il y en a qui me disent qu'il va falloir plonger. Elles ont la tèche caille morte, quoi.